Bonsoir les amis, c'est bien dommage, j'ai juste un petit problème de connexion. J'étais avec Fabrice sur Skype, parce qu'on fait le live en passant par Skype, et là je l'ai perdu. Ah, j'essaye de le rappeler, attendez. Ça va peut-être marcher. Ah, okay. Je rappelle. Ouais, Fabrice. Ouais, je te vois, mais j'arrive. Je te rappelle par Skype que j'arrive pas à t'avoir. Ah bah ok, et bah essaye, fais sans tes écouteurs alors. Je vais essayer de te rappeler, là je t'ai appelé. Et j'arrive pas à t'avoir. Attends, parce que j'avais enlevé mon micro. Ouais, je disais, parce que j'essayais de t'appeler, mais... Bon, les amis, c'est les aléas du direct. C'est en train de monter. Je vais essayer de te rappeler ou... Hop. Je te rappelle. Ouais, moi je te vois pourtant comme quoi si t'étais activé, mais... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, bah là il faut que... Ah ouais, mais alors attends. Là tu m'as appelé par Messenger là? Ouais, il faut que tu raccroches et que tu m'appelles par... Il faut que tu m'appelles par... Il faut que tu m'appelles par Skype. Ok, je raccroche. Bon bah les amis, désolé, c'est les aléas du direct. Je vous demande de quelques minutes de réglage. Tout était prêt, hein, on attendait et tout, puis boum boum. Alors j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup parce que merci à beaucoup beaucoup à ceux qui arrivent. Bon, je suis un petit peu en panique, on va dire, mais non, ça va le faire. On va prendre son calme. Vous m'entendez pas? Si, vous m'entendez, mais j'avais enlevé mon casque. Ah ouais, bah oui, mon Michel, mon Michou, c'est les aléas, ouais. J'essaye d'appeler Fabrice. Ça va être embêtant si on n'arrive pas à l'avoir là. Salut Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Ok, merci. Bon, j'arrive pas à voir Fabrice là. Oh, c'est incroyable ça. Comment on peut faire? Je vois qu'il est connecté, mais j'arrive pas à l'avoir. Merci. Bah désolé les amis, je vous demande d'être patient. Je suis sincèrement désolé, mais c'est les aléas du direct. C'est bien dommage. Ah, j'arrive pas à la voir. Non, puis là j'ai bien Skype d'éteint. Et il n'arrive pas à me joindre par Skype. Ok, essaye de m'appeler. Ah, c'est bon. C'est bon les amis. On va la voir. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça arrive. Fabrice, t'es de retour? Ouais! Vas-y, tourne ta caméra et puis. Ah là 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 là! Ok. Bon, bah, les amis, on va faire vite l'intro. Donc, c'était le moment du partage. Donc, vous avez eu le temps de partager. Je vous invite bah, du coup à partager le lien pour qu'on ait soit un grand nombre pour faire ce live.
Si vous avez aimé ce live, ben je vous invite surtout à liker. N'hésitez pas, pour ceux qui vont regarder en replay, et puis même ceux qui vont regarder, de laisser un commentaire sous cette vidéo. Ça aide à la notification pour YouTube. Voilà, l'aspect publicité est terminé. Je lance la bande-annonce et on se retrouve avec Fabrice. A tout de suite. On essaye trois fois, ça marche, et là, pas de bol. Ah, quoi, pas de bol. Ouais, du coup, tu vois ce que j'étais en train de dire. La caméra est déréglée, du coup, faut que je refasse les scènes. C'est pas grave, c'est les joies du direct, on va faire en direct, hein, tant pis. Toi, tu me vois là, parce que moi je me vois plus. Moi je te vois, et il te voit. Et là, tu vas pas tarder à être. Bah, ça y est, t'es en. Ouais, je vais régler la caméra, t'inquiète. Voilà, ah, c'est les aléas du direct. Voilà. Vous assistez au réglage. Ouais, mal avec. Ouais. Bah, bouge plus rien, touche plus rien. Je vais régler, t'inquiète. Hop, voilà. Fallait que ça arrive, hein. C'est comme ça. Ça venait peut-être de chez moi. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit ça a planté, tu me voyais plus. Peut-être que Skype a planté chez moi. Ouais. C'est possible. Ouais, je te voyais plus connecté. Voilà. Je ne pouvais plus trapper. Ok, bah écoute, Fabrice, bonsoir. Bonsoir à Titi, bonsoir à tous. Voilà, bah c'est super. Bah, en tout cas, merci de participer au Coffee Time de Titi. Ça me fait plaisir depuis le temps qu'on devait le faire. C'est cool, en tout cas. Bah, écoute, y a pas de soucis. Ok. Je sais pas, bah, si tu veux faire des petits coucous sur les gens que tu connais sur le chat, c'est le moment. Alors, en attendant, les amis, que tout le monde arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, comme si vous avez vu la bande-annonce, on va commencer par une partie entretien, qui est Fabrice. Et Fabrice, il joue avec son téléphone, il met sa main. Fabrice ? Voilà. Ouais, je vois ta main là, par contre. Je sais pas ce que t'as fait, on voit plus là. Bah, je me vois pas dans l'écran. Ah bah t'inquiète, je te dirai si... là, je sais pas ce que t'as fait. T'as mis ta main. C'est la caméra qui est encore figée. Oh. Oh, ça va être la folie. T'as plus rien, là? Non, j'ai plus rien. Et là? Non, non, non. Non, non, non. On a ta belle main, mais... Bon, écoute, c'est bizarre ça. Tu m'entends toujours par contre là? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Mais ta caméra elle est figée en fait. C'est ta caméra qui est figée de ton téléphone. Écoute, ouais. Bah écoute, je te rappelle. On va te rappeler, on va le relancer. On relance, vas-y. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Voilà. Je me vois. Ça y est, touche plus à rien. Touche plus à rien. Bon, c'est top. Ok, bon. Alors, j'étais en train de te dire, si t'as des amis sur le forum, c'est le moment, tu veux leur faire coucou. Mais... Bah, j'ai pas eu trop le temps de regarder encore. J'ai vu Mehdi, j'ai vu Michel Carper, que je connais. Dédé Browning, qui est souvent sur le chat, notamment celui à Samuel. Hein, bah, bonjour à tous, ceux qui sont présents. Cool. Cool. Ok. Bon, bah on va. Hey, je bois un petit coup. Puis on va se lancer tout doucement. On va démarrer. Parce que. Détresse, Titi, je bouffe un coup. Ah bah c'est le cas régie qui déconne là. Tu vois, c'est ça le problème, c'est faire l'interview, faire le live, mais c'est les aléas du direct et c'est ce qui fait son charme aussi. Voilà. Voilà, ça va. Ok. Alors Fabrice, on va commencer. Vas-y, fais une petite présentation de toi. Bah donc Fabrice Casimir, 43 ans, j'ai deux gamins, un garçon de 15 ans et un de 18 ans, un pêcheur et un non-pêcheur. Ok. Je travaille à la centrale nucléaire de Gravelines, j'habite entre Calais et Dunkerque, pour situer un petit peu.
et je pêche de temps en temps sur mon temps libre. D'accord. Ah, de temps ça en temps. M'arrive. Ça t'arrive de temps en temps de pêcher. Ok. Ok. Un petit peu. Un petit peu. Depuis combien de temps tu pêches? Bah, je pêche depuis que je suis tout petit. J'ai commencé la pêche avec mon papa. Et puis, au fur et à mesure des années, essayer de me perfectionner tout ça, je suis venu à la compétition en 2007 et à la pêche en carpodrome, surtout depuis 2010. Ok. Ok. Quel poisson tu aimes pêcher? Tu vas me dire, je crois connaître, on connaît la réponse, mais il y aura peut-être d'autres poissons que tu aimes pratiquer. Moi, je sais pas, la tanche, la brème. Premier, je vais dire les cartes, ouais. Parce que c'est vraiment le poisson qui m'a permis de réussir pas mal de choses en compétition. Et puis également, j'adore également la pêche au poisson blanc, les gardons, les brèmes. D'accord. As-tu d'autres passions, loisirs que la pêche? Bah, j'aime bien le football, j'aime bien pas mal de choses, les vidéos, tout ça, mais ma grande passion qui me prend déjà beaucoup, beaucoup de temps, c'est la pêche. C'est la pêche. Après, entre le travail, la famille, la pêche, tout ça, ça prend déjà pas mal de temps. Hein. Ouais, bah, je me doute, ouais, je me doute. Et donc, du coup, tu disais, tu t'es venu comme ça, mais comment t'as été attiré par la pêche en carpodrome à la carpe, du moins, par la carpe au cou? Bah, c'est venu de mon Américain, Cédric De Bruyne, qui, en fait, en 2007, donc on a commencé la compétition ensemble, on a créé une petite équipe, donc on allait pêcher au blanc, et c'est lui qui m'a traîné un peu vers les carpodromes. D'accord. Moi, j'étais pas trop trop fan de ça, mais en fait, de fil en aiguille, j'accrochais, quoi. Au début, c'était un peu la galère et je voulais absolument, comme je suis un peu têtu, j'ai voulu continuer dans ce domaine-là, essayer de comprendre comment ça marche, comprendre ces carpes. Et puis, donc j'ai été pêcher un peu partout, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai été pas mal en Belgique, j'ai été dans des étangs en France, il n'y en avait pas énormément encore en 2010. Des carpodromes, ça s'est créé vraiment au fur et à mesure depuis 2010. Je suis allé pas mal à Méricourt sur ça, mais j'ai appris pas mal. Avec toutes les personnes qui allaient là-bas. D'accord, quoi. Ok. Ok. Les endroits que tu aimes pratiquer, bon, on sait que c'est les étangs, mais est-ce que tu aimes bien de temps en temps pêcher en rivière, en fleuve, sur des fleuves, Bah, des grands lacs? On va dire si je vais pêcher en détente, je vais pas aller dans un carpodrome. Ok. Pour moi, le carpodrome, c'est le plan d'eau au top pour faire des compétitions. Par contre, pour la détente, au bout d'une heure, j'en ai marre, quoi. Je trouve pas ça intéressant en carpodrome en détente. Ah ouais. Je préfère. Ou alors, je vais aller dans un étang où il y a des gros poissons, mais pas beaucoup. Essayer de faire vraiment un spécimen, des trucs comme ça. Et après, sinon, je vais aller pêcher les poissons blancs en canot, en rivière. Je trouve ça plus intéressant pour la pêche en détente. Ok. Quelle technique, alors, c'est toujours pareil. On va faire une parenthèse par rapport à la canne au cou, mais quelle autre technique que tu aimes bien pratiquer dans la pêche? L'anglaise, le feeder. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que le feeder, moi qui te suis un petit peu sur les réseaux sociaux, je te vois pas souvent avec une canne feeder. On avait abordé un peu le sujet quand on a préparé ce live, alors que tu étais quelqu'un qui pratiquait pas mal avant quand tu pêchais, on va dire, du poisson plus traditionnel. Ça, c'est vrai. Ok. Ouais, avant, en fait, en compétition, on y a très peu droit, donc forcément, on pratique plus. Mais avant de commencer la compétition, quand j'allais en détente, je pêchais plus souvent au moulinet qu'à la canne au cou. Ok. C'est le feeder, tout ça, c'est super pêche. Hein. Moi, j'adore. Ouais. Et du coup, tu disais, qu'est-ce que t'en penserais, toi, comme ça se fait plus en plus en Angleterre, puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir y pêcher, mais... On a de plus en plus de compétitions ou de matchs qui se font en open en Angleterre. Qu'est-ce que tu penses que ça serait envisageable? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que compétiteur, si un jour en France ça s'ouvrait plus ce style de pêche, ben, ce style de compétition qui s'y prête, bien sûr, on est d'accord. Moi, je suis pour l'open. Si
les grands plans d'eau où tu vas pas gêner tes voisins, tout ça, faut laisser, pour moi, il faut laisser open. Après, à chacun de faire ses choix et les bons choix. Et puis après, ben, forcément, il y a en général, les carpodromes, c'est quand même des étangs limités à 10, 15 postes. Grand maximum 20 postes et t'es un peu, on va dire, t'es un pêcheur tous les 10 mètres. C'est Tu pas. pourrais pas faire des open dans la majorité des Ouais, carpodromes, malheureusement. malheureusement, ouais, tout à fait. Ok, de toute façon, on en abordera un petit peu le sujet tout à l'heure, je pense, sur ton approche de la compétition. Depuis combien de temps tu fais de la compétition? J'ai commencé au blanc en 2007, donc on est en 2021, donc 14 ans, notre compétition. Et carpodrome depuis 2010. Ok. Donc, ça fait 11 ans que je pêche les carpes en Ok. concours. Et ça va? T'as toujours l'engouement? T'en as pas marre, quoi? Je veux dire, c'est. Non? Non, parce qu'en fait, j'essaie de varier au maximum. Tu vois, je voyage beaucoup. Je pêche un peu partout en France. Et même quand je pêche dans mon coin, dans le nord de la France, on a la chance d'avoir plein de plans d'eau. On va dire, je pêche tous les week-ends des étangs différents. Je vais aussi en Belgique. Donc, sur l'année, un même plan d'eau, c'est rare que je pêche plus de 3 fois sur un même plan d'eau. C'est l'avantage. Et en plus, tous les plans d'eau sont différents, des populations de poissons différentes, des configurations différentes, des étangs profonds, peu profonds. Donc, il y a des étangs, on pêche d'une certaine façon, une certaine technique. Tu as des endroits, ça va marcher d'une façon et d'autres endroits d'une autre façon. Ok. Ça permet d'être polyvalent et puis de jamais s'ennuyer, Ok, quoi. ok. Donc en clair, ce qu'on dit, en fait, plus tu vas pêcher dans différents endroits, plus tu t'améliores et plus tu apprends, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, Ok. carrément. En fait, c'est ça, c'est toutes les expériences que tu as au fur et à mesure qui vont te permettre de réagir plus rapidement le jour J, quoi. Quand tu fais ta compétition, il y a toujours un moment où ça ressemble à une pêche que tu as faite, où il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et du coup, tu réagis un peu plus vite, on va dire. Ok. Les amis sur le forum, là, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Merci beaucoup parce que là, on est une soixantaine de personnes. C'est super sympa pour Fabrice et puis pour moi aussi, bien sûr. Donc, si vous avez des questions sur, on va dire, sur Fabrice, c'est le moment. Hein. On va aborder la compétition après. Je pense qu'il y aura des questions. Mais si vous avez des questions autres, bah, vous pouvez les poser. On sera un plaisir à y répondre. En termes d'appât, est-ce que tu es plus appât naturel ou appât artificiel? Les Les deux, deux. j'utilise les deux. Je reste assez simple hein, dans mes choix. On va dire si je pêche avec des appâts artificiels, ça sera soit les fameux pompons, les Ouais, souris qu'on appelle. ça j'ai découvert ça aussi, ouais. Ok. Ouais, donc ce sera soit ça ou du maïs artificiel. Ou alors après les éches classiques, c'est des expanders, du maïs. La pâte aussi, de temps en temps, il y a certains étangs que ça marche bien. Et les éches animales, asticots, terreaux, parfois pois chiches. Ok. Après, ça se limite quasiment à ça. Après, c'est juste les quantités, quoi. C'est ça qui va être la difficulté en fonction des zones des plans d'eau, quoi. Ouais, quantité d'amorçage. Puis les distances où tu vas pêcher, tout ça, la stratégie que tu mets en place en gros hein, Ok. pour la partie de pêche quoi. Mais après choisir entre l'éche artificielle ou les éches classiques, on va dire si le maïs artificiel marche très bien, par exemple dans les endroits profonds et là où tu as du courant comme à Saucourt, Ok. par exemple. Ok. Et donc pour moi, c'est la densité du grain de maïs artificiel. Je pense qu'il pour moi, c'est plus lourd qu'un grain de maïs classique et tu as une meilleure présentation. Et tu vois des fois une nette différence entre un grain comme ça et un grain classique. Ok. Justement, j'aborderai tout à l'heure le sujet de la présentation des appâts. On en parlera dans la compétition aussi. Après, tu as abordé le sujet. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, je pense que c'est à peu près aussi dans les années 2010, si je ne dis pas de bêtises,
J'utilisais quand même pas mal de la farine pour pêcher la carpe au cou. Est-ce que c'était un peu ton cas aussi? Parce que je vois quand même qu'il y a une évolution depuis, on va dire, 5-6 ans. De plus, l'amener des micropelés, tout ça fait arrêter un peu la farine. Mais est-ce qu'il t'arrive encore parfois d'en utiliser ou t'en utilises pas du tout? J'en ai jamais vraiment utilisé, moi, pour la carpe. Ok. J'ai jamais, en fait, comme très tôt, j'ai été pêcher dans des endroits comme en Belgique où les gens avaient quand même pas mal d'expérience sur cette pêche-là. Et en fait, c'est en côtoyant ces gens-là qu'on s'est amélioré et c'était très peu utilisé, voire interdit même la farine dans les étangs. D'accord. C'était surtout des pêches, tout ce qui est amorçage, c'était soit pelé ou soit des graines comme du C'est de maïs. l'agrainage en fait, pratiquement, quoi. Ouais, c'est de Ouais, l'agrainage, ouais. ok. Et du coup, ça fait déjà deux, trois fois que tu en parles. Comme toi, tu as la chance de pouvoir pratiquer aussi ta passion en Belgique. Est-ce que tu vois une différence entre la pratique de la pêche qui peut se faire en étant en France et ce qui se fait en Belgique? Est-ce que c'est à peu près pareil ou c'est totalement différent? Bah, en Belgique, en fait, c'est des étangs qui sont créés depuis plus longtemps qu'en France. Donc, Donc des dans ces étangs, tu as des poissons très éduqués. qui sont vraiment très, très éduqués et donc beaucoup plus méfiants. Et forcément, tu as aussi des grandes quantités parce que les proprios d'étangs, tous les ans, ils remettent un petit peu de poisson, un petit peu de poisson, un petit peu de poisson. Donc, tu as énormément de poissons, mais hyper dur à faire. Très technique alors, comme. C'est hyper technique et en plus de ça, le niveau en Belgique, tu as des gens qui pêchent par là, ils ont vraiment l'habitude des pêches dans leur plan d'eau et du coup, c'est vachement intéressant parce que pour rivaliser, Ça monte le niveau de tout le monde, quoi, en fait, c'est ça, ouais. compliqué et ça fait monter le niveau de tout le Ouais. monde en fait. Donc, nous les Français qui avons la chance de pouvoir y aller, bah, ça nous aide aussi À à progresser, monter ouais, tout à fait, ouais. Ok. au Ah, classé. ok. Ouais. C'est top, j'aime bien y aller, j'y vais toujours quelques fois dans l'année et c'est vrai que ça c'est vachement intéressant comme pêche par là. Ok. Il y a quelques questions qui sont tombées. Donc, il y a Hervé qui demande si tu as pêché sur le domaine de Colme. Si je dis l'Alcôme. Domaine de la C O L M E. Colme. Je sais pas si ça te parle. Semble pas que j'ai pêché là-bas, non, ça me dit rien. Ok. Non, non. J'ai vu un truc tout à l'heure. Fameux espèce avec moi. Ok, je suis en train de regarder. Alors, Monsieur Casimir, êtes-vous toujours aussi sceptique sur le pelé sur bague? Lol. Ça, c'est cocasse. Alors, votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, non. Pas sceptique, juste que, en fait, on a tous un peu nos habitudes de Ouais, pêche. tout à fait. Ouais. Mais comme j'ai pas mal de copains qui réussissent avec ça, j'ai tenté cette année. J'ai pêché de temps en temps au pelé sur bague et c'est vrai que ça fonctionne. Hein. Y a pas photo, ça prend du poisson. Et après, il faut y croire, Voilà, quoi. alors je vais dire, alors c'est peut-être, j'ai pas la prétention d'avoir le talent que tu as, mais est-ce que c'est plus pour toi un problème de présentation de l'appât? Ou c'est tout simplement que t'es plus habitué à lécher un appât que de le laisser hors de l'hameçon, c'est ça? C'est plus une question d'habitude parce que quand tu regardes les vidéos des pêcheurs anglais, ils utilisent énormément. Donc, eux, c'est pas des petites bagues comme faux, ils utilisent carrément un cheveu avec une petite bague où ils mettent leur pelé. Mais ils pêchent énormément avec ça. Donc, ça marche, hein, c'est efficace. Après, c'est juste qu'il faut y croire. Et puis, moi, j'aime pas trop me disperser, tu vois. Je reste sur mes basiques, Ok, bye. mes petits trucs qui marchent. Et il y a déjà pas mal de choses à essayer au final. Donc, après, j'ai quand même maintenant des bagues dans ma caisse et des pelés dessus. Ok. Alors, il y a Ludovic. Bonsoir, Ludo. As-tu un mentor dans la pêche du carpodrome? Un Ou mentor. peut-être plusieurs, bah, des gens que. Bah, comme je l'avais déjà dit dans le live de Ouais. Samuel, celui qui m'a bien aidé à mes débuts, Jérôme Ok, Vasseur, oui, bah. qui est un super pêcheur, qui a gagné plein de choses, qui est maintenant peut-être
peu moins pêché qu'avant, mais ça reste un pêcheur au top. Ah, j'avais. Ouais. Après. C'est une sacrée personne. Moi, je l'avais rencontré bah, la première finale de la Coupe de France que j'ai fait à Toulouse. Ouais, c'est ça, à Toulouse. Et je suis tombé à côté de lui en compétition. Bah, moi, pêcheur débutant, j'ai un peu pleuré, quoi. Mais bon, c'est la pêche. Voilà, Mais c'est impressionnant. C'est vrai que. Ouais. Pêche, puis il n'y a pas que le Non, non, Carpodon, non, ouais, Jérôme, c'est ça. il a été en équipe de France. France. C'est un niveau Bah, on voit de toute façon, encore. hein, il a une façon bah, de pêcher qui est quand même bah, un level différent, quoi. Du fait qu'il a pêché au coup. Moi, je suis passé de la batterie au coup. Ça change complètement, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas une approche de pêcheur de compétition au coup déjà traditionnel. C'est ce qui a fait. C'est vachement. Moi, c'est ce que je recherchais justement à mes débuts, c'était d'aller dans des étangs où tu avais des personnes comme ça. Parce que c'est là que tu apprends, c'est là que tu vois la différence entre un petit pêcheur lambda qui débute et un mec qui a l'expérience. Ouais. C'est Bah, c'est vachement. enrichissant, puis ça te permet de voir où tu es et où tu dois aller, quoi. C'est surtout ça, si c'est important. C'est Ouais, ça. donc. Ça permet de te Ouais. situer et savoir le chemin que tu as Faire encore quoi à faire. faire, ouais. Ok. As-tu déjà pêché dans le 59? Bah, je pense que oui, quand même, Fabrice. 59, Ouais. ouais, j'y pêche Assez très très régulièrement. régulièrement. Il y a pas mal de personnes Ouais. maintenant. Dans tous les Hauts-de-France, hein, 59, 62, je vais même dans la Somme, en Normandie. Ouais. D'ailleurs, il y a des plans d'eau comme Saint-Hélier et Ah, Nesle Andelys. Normandeuse. C'est des bijoux, hein. Ouais, Franchement, c'est des beaux sites. Hein. les gens qui peuvent aller pêcher là-bas, il faut y aller absolument, quoi. Ça change parce que c'est des plans d'eau profonds, c'est des plus gros plans d'eau. C'est pas les mêmes approches, donc ça permet de s'améliorer. Y a des beaux poissons à faire en plus. C'est vrai que c'est des beaux cadres. Je crois que tu m'avais dit oui, sur Rouen, il y a aussi Bédane. Je pense que tu y avais pêché sur Rouen. Tu as été sur Bédane, tout ça. Pourquoi Bédane, ouais. Ok. Salut Fabrice, à quel moment tu pêches entre deux eaux et comment tu la pratiques? C'est Michel. Alors, soit avec un flotteur classique ou soit avec un flotteur qui coulisse. Un Un jigger, jigger, on ouais, appelle ça c'est un ça, jigger. ok. Donc du coup, Donc ouais, faut une canne là, cette assez souple quand même pour pouvoir année, pratiquer cette pêche. on fait service cette année, par exemple, à la finale Crazy, à Douy, ou à la dernière manche. En fait, il y a eu pas mal de belles pêches de fait les manches d'avant en pêchant entre deux eaux et en surface. Et à la dernière manche, j'ai essayé avec une ligne classique, ça marchait moyen. Et je suis passé au jigger et j'ai fait énormément de poissons avec ça. Donc c'est une pêche en fait d'accoutumance où tu viens continuellement agrainer, hein, c'est ça? C'est Ouais. ça, ta graine. Et puis en fait, ton flotteur, donc il est coulissant. Et tu règles deux Au-dessus, stop-flottes à ok, distance la de l'eau. distance, ouais, faire le tauférant. Ça te permet en fait, que ton neige, elle descend très lentement. Parce qu'en fait, le fil qui coulisse dans ton flotteur, ça va faire descendre ton neige encore plus doucement que si tu pompais une ligne classique. D'accord. Ça fait descendre ton neige très doucement. Et en plus de ça, avec cette technique, tu peux mettre des plombs pas trop loin de ton hameçon. Ok. Ce qui fait que tu vas déceler beaucoup plus de touches avec ça qu'avec une ligne classique où si tu veux faire descendre ton neige doucement, tu es obligé de remonter tes plombs. Mais là, du coup, il y a plein de petites touches que tu vas rater, quoi. D'accord. Ok. Et c'est une pêche où tu, comment on appelle ça? Tu remontes comme si on pêchait au pompon, quoi. C'est ça? C'est vraiment, tu aguiches? Je cherche le terme Ouais. exact. En fait, tu vas mettre avant d'aller mettre ta ligne, tu vas mettre une ou deux poches de front de ce que tu mets. Donc soit là, en l'occurrence, c'était des asticots et des Ok. pelés. Donc là, je mettais une fronde d'asticot, une fronde de pelé. J'allais mettre mon jigger et je pompais comme ça plusieurs fois. Si t'as pas de touche, tu peux remettre une ou deux petites frondes. Après, il faut trouver la bonne cadence de frondage et puis trouver le rythme qui correspond au poisson, quoi. Et la bonne profondeur de pêche aussi. Parce qu'avec ça, tu peux pêcher dans toutes les couches d'eau. C'est l'avantage du truc, quoi.
En fait, j'irais, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à du Pelé Wegler, comme si tu pêchais avec une canne à mouliner. Mais on n'est pas tout à fait dans le même système, mais on est quand même sur un appât qui descend. En fait, c'est une pêche entre deux eaux, hein. C'est une pêche entre deux eaux, sauf que là, tu as le système du flotteur coulissant qui est vachement efficace. Ok. Pour des... Tu vas prendre plus. Pour moi, tu prends plus de poissons avec ça qu'avec une ligne classique entre deux eaux. Ok. J'ai vu, il y avait une question. Tu pêches où en Belgique exactement? Je sais plus qui a posé la question. C'est Patrick. Tu pêches où en Belgique? J'ai déjà fait pas mal d'étangs. La Durène, qui est super connue. Chez Kevin Tambour, qui est super connu également. Après, j'ai déjà fait plein d'étangs. J'étais là cette année, j'ai bien apprécié chez Raphaël Van Lathem. Bah, je connais pas exactement tous les noms des étangs, mais je la peuplerai aussi, ouais. Qui est un super, super domaine. Un étang qui est juste à la frontière, c'est côté France, mais qui est pas loin de la Belgique, c'est les étangs de. C'est à l'Abbaye. Qui est top, top aussi chez Amael, un super étang aussi. Et puis bon, après, il y a plein d'étangs, je voudrais pas. Ouais, tu voudrais pas en blesser un, ouais. Sans passer les profils que je sais pas, mais en général. Ouais. En plus, en Belgique, on est toujours bien reçu, puis à midi, on mange bien, on mange copieusement, on est bien accueillis. On est accueillis. Ouais. Ok. Ouais. Hervé pose une question. Quand tu pêches à la patte, ton flotteur est plombé ou pas? Ça, c'est une bonne question, parce qu'il y a deux écoles. Ouais, tout à fait. Bah, moi, c'est plombé, tout le temps plombé. Je peux pas pêcher à la patte sans plomb. En fait, tout dépend de ce que tu vas utiliser comme patte. Si tu utilises une patte peu mouillée et que tu vas serrer, elle va bien tenir à ton hameçon. Tu peux utiliser un flotteur sans plomb. Du coup, c'est la patte qui va tenir ton flotteur. Et moi, je pêche avec des pattes très molles, en fait. Donc, un flotteur non plombé, c'est impêchable. Donc, du coup, le flotteur, il tire toujours sur ta patte. Et puis, elle se décolle de l'hameçon, du coup, tu la perds. Tu fais que perdre ta patte. Donc, tout dépend ce que tu utilises comme patte. Et moi, comme j'utilise une patte très mouillée, ben, c'est toujours flotteur avec un plomb. Ok. Alors, je vais te poser une question. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois. Moi, je fais partie des gens aussi qui pêchent la patte avec des plombs. Ça m'est arrivé une fois de pêcher sans plomb. C'est parce qu'il y avait très peu d'eau. En fait, je pêchais dans 40 cm de flotte. Et là, je trouvais l'utilité du fait. J'avais vraiment la mécanique de ma patte qui permettait de descendre dans la couche d'eau. En fait, je sais pas si. Ouais. Je dis pas que c'est pas ça peut être efficace, hein, c'est sûr. Il y a pas mal de gens qui le font. C'est comme tout, faut y croire et chacun sa petite technique, ses petits trucs, ouais. Ok. J'ai resté une dernière question sur ton parti, on va dire entretien. Sucré, alors t'es plutôt sucré, carné. Et j'ai rajouté parce que c'est mon ami Sébastien qui me l'a dit aussi. Et ou épicé, je vais pas y arriver. Épice. Ah. Carnet. T'es plus carnet, ok. Ah, en fait, bon, la pâte que je fais, que j'utilise, c'est du pelé broyé, simplement. Donc, c'est tout simple. Tu prends du pelé extrudé broyé ou même les pelés sont du bête, là, les profits broyés. Mmh. Tu rajoutes un petit peu d'expander broyé et t'as une très bonne pâte. Ok. Ça marche très bien. Quand les poissons ils veulent de la pâte, tu mets ça, ça ira. Ouais, c'est ça. C'est toujours le problème hein, du truc, c'est assez aléatoire quand même. J'ai eu la pâte. J'ai été surpris. C'est vrai qu'en compétition, vous l'utilisez pas énormément, quoi, en fait. Ça dépend des endroits. Quoi. Puis des pêcheurs aussi, tu vas me dire. Ça arrive, mais c'est pas toujours le plus efficace, ouais. Parce qu'on pêche des plans d'eau avec beaucoup de poissons. Et la pâte, c'est bien quand. Quand chaque ferrage se conclut par un poisson, mais si tu commences à ferrer, couper ta touche, devoir ramener ta canne, remettre de la pâte, remettre, ferrer, rater ta touche, t'en finis pas, tandis qu'avec un pelé ou un maïs, t'as une touche, tu la rates, tu relèves ta ligne, t'as une touche, tu la rates, tu relèves ta ligne, puis tu piques. Donc au final, le plus efficace. Voilà. Mais il y a parfois, ça marche, hein. Des fois, tu les feras pas. Tu vas les faire à la patte. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs à Saint-Hélier cette année.
J'avais fait une très belle pêche au maïs un dimanche. J'y retourne la semaine d'après. Plus moyen de faire un poisson au maïs. J'avais que des fausses touches. J'ai pêché comme ça pendant une heure et demie, 2 heures. Et puis je voyais les pêcheurs à côté, à la patte qu'ils prenaient. J'ai mouillé de la patte. Et il n'y a pas eu photo, quoi. Il n'y a pas eu photo. Mais c'est la pêche. C'est toujours les poissons qui commandent. Et puis toi, tu dois t'adapter, quoi. Voilà. Non, mais ce qui, c'est vrai ce que tu viens de dire, ça. C'est la différence entre moi et toi, c'est que bah, l'efficacité de ne pas louper de poisson, c'est ce qui fait la différence à la fin bah, du match, en fait, où tu as des énormes bourriches, alors que tu as fait, en fait, au prorata, tu as fait une belle pêche, mais on a eu plein de loupés, plein de touches. Alors que toi, en fait, quand on fait de la compétition, l'objectif, en fait, c'est d'être très efficace et ramener le poisson à chaque fois, quoi. C'est pas. Surtout, Ah, ouais. c'est le ouais. Après, ça c'est les pêches quand ça va Ah bien, oui, hein. Mais il y a des moments où on galère aussi, puis il y a des moments où le poisson il veut pas mordre. Alors des fois tu peux faire ce que tu veux, t'as du mal à enchaîner les touches, puis après t'as les conditions climatiques qui jouent. Par moment le poisson il a un petit coup de froid, le poisson il veut plus manger. Sur le papier, ouais, sur le papier, des fois ça va bien, mais des fois c'est compliqué hein, quand même. Ok, bah écoute Fabrice, je te remercie pour ces réponses et on va passer à l'aspect compétition. Je ne sais pas si tu vois, en attendant que je règle la caméra, comme je vais changer de scène, si tu vois deux, trois questions sur le forum qu'on n'a pas répondu, bah profites-en. Tant que je finis les. Ouais, j'ai vu que tu utilises des boosts. Ouais. Donc non, j'utilise très très peu, ben, même pas du tout. Les boosts, tout ce qui est additif, tout ça, j'utilise pas. Donc après, j'essaye de rester simple, tu vois, dans ce que je te dis. Ouais, c'est. Je pense y a tellement de choses plus importantes que parfois un boost, ça peut marcher. Des fois, je dis pas que sur une pêche, ça peut pas marcher. Mais sur la globalité, je pense qu'il faut rester assez simple, quoi. Donc moi, je m'en passe pour les boosts. Après, il y avait d'autres questions. Il y a Jérôme qui dit au moins 50 kilos de différence entre nous. Et ça, je te confirme, c'est sûr. Bon, après, on n'est pas dans la même catégorie, hein, pas dans la même cour. Hein. Donc, Qu'est-ce qui est plus important pour toi, l'amorçage, la finesse du montage de ta ligne ou les deux? y en a un troisième pour moi. En fait, c'est toutes des choses qui sont importantes. C'est pas une chose plus importante que l'autre, quoi. L'amorçage, ça sera hyper important parce que ce que tu vas mettre au fond de l'eau, ça va conditionner les touches que tu vas avoir. Donc, parfois, tu vas faire une pêche au pelé, ça peut fonctionner au pelé, mais des fois, il faudra mettre que des graines dans l'eau, par exemple que du maïs. Donc, l'amorçage, c'est hyper important. Si tu amorces que au pelé et que les carpes, elles veulent du maïs, ben, tu vas faire une moins bonne pêche que les autres. Et puis, la quantité de l'amorçage que tu vas mettre, ça, c'est important aussi. Parfois, on met juste quelques grains de maïs, des fois, va falloir charger des coupelles pleines. Ça joue beaucoup aussi. Après, la finesse du montage de ta ligne ou les deux. Moi, je suis pas très partisan de pêcher très très fin les carpes. Donc, je sais qu'il y a pas mal de monde qui descendent en diamètre quand c'est dur, tout ça, et ça descend 14 centièmes, 12 centièmes. Moi, j'évite. Je reste sur mes lignes classiques. On va dire grand max que je vais descendre, c'est 18 centièmes. Ok. Je fais plus attention à la taille de l'hameçon, par exemple, que le diamètre du nylon. La taille de l'hameçon, je trouve ça que c'est sur la qualité des touches, des fois, entre d'un hameçon de 12, tu vas passer à un 14, ça sera pas pareil. Et donc, souvent, quand c'est dur, je vais mettre des hameçons plus petits. Par exemple, si je mets un petit hameçon, si j'utilise par exemple, comme l'hiver, j'utilise pas mal ça. Je sais pas si Ouais, on les c'est bon là, voit. comme ça. C'est des 0,2 en 16.
chez Cédrom. Donc j'ai plus 100 matchs. Et quand je mets ça, je mets un 18 centième tout simplement parce que c'est plus simple de faire un nœud sur un petit hameçon comme ça avec un 18 centième qu'avec un 20. Et c'est pas spécialement parce que je pense que je vais avoir plus de touches en 18 que, qu'en 20. Surtout que tu pêches avec des hameçons, bon, on verra tout à l'heure, non, j'ai préparé une petite présentation, t'es sur des hameçons à palette, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, hameçons à palette, ouais, ouais. Ça. C'est ça. Donc c'est pour ça que un 18, ça vaut mieux pour faire un bon nœud. Tu seras peut-être même plus solide avec une ligne montée en 18 sur un petit hameçon comme ça qu'avec une ligne montée en 20. Parce que ton nœud, il sera meilleur. Ouais, t'as moins de rupture, ouais. Au niveau du... Ouais, parce que le nœud, il risque d'être grossier et ça risque de casser, quoi. Tu fais une amorce de rupture. Hein. Ouais, donc... Ok. Après, vraiment, le diamètre du nylon pour les carpes, j'y crois pas trop, parce que moi, en fait, ce que je recherche quand je fais une ligne à carpe, c'est une ligne bien rigide. Tu vois ? Parce qu'en fait, j'utilise du coup un gros nylon, j'utilise des plombées groupées assez basses, et... Ce que je veux, c'est que ma ligne elle soit bien rigide pour détecter tout de suite les touches. Parce qu'en fait, les carpes, comme je te disais, là, je vais pêcher en Belgique. En Belgique, les poissons, ils sont hyper éduqués. Ils aspirent lèche, ils recrachent direct, quoi. Ils savent très bien qu'ils vont se faire piquer la gueule. Hein. Donc, à bout d'un moment. Hein. Il faut absolument... Tac, t'as la petite touche. Il faut que t'aies une petite bannière. T'as la petite touche. Il faut que tu sois réactif pour la ferrer. Parce que si tu mets une seconde ou deux secondes pour ferrer ton poisson, bah tu vas en ferrer que tu vas en ferrer que une sur cinq en fait. Ouais. Ok. Écoute, on va parce que là on est en train de dégrossir tout ce que on devait discuter un peu ensemble. Donc on va commencer par le BABA, parce que je vois qu'il y a des questions. On va répondre hein, sur les flotteurs, les élastiques creux ou pleins. Ça on va aborder les amis. Vous inquiétez pas. Si on oublie, n'hésitez pas à le redire sur le forum. Mais je pense que c'est des sujets qu'on va aborder ensemble. On va commencer par la partie. Là on est sur la compétition. La terme d'installation de ton poste. Est-ce que tu as des tocs, je veux dire des tocs, ou tu as toujours un même rituel et tout ça quand tu te prépares? Parce que moi, je suis agréablement surpris de la vitesse. Bon, après, je pense que si c'est avec le temps, comme vous êtes tous les week-ends au bord de l'eau à faire de la compète, maintenant, il y a des automatismes. Parce que moi, je suis tout le temps une tortue, je resterai tout le temps une tortue. Mais est-ce que toi, tu as des rituels pour te préparer, t'installer sur ton poste? Moi, ouais, en fait, ce qui est important, c'est d'être efficace pour pouvoir avoir plus de temps pour ce qui est important. Ok. Et ce qui est important, c'est sonder. Ça, on va aborder, ouais. Ok. Sonder, régler tes lignes, préparer tes apports. L'installation, ça doit être rapide, quoi. Donc, moi, c'est tout le temps quasiment la même chose. J'ai une grande desserte à store. Bah, déjà, le store, c'est super pratique. Ça protège bien tes zèches. Une grande desserte à store, une barre à bourriche, parce qu'en compétition, faut pas commencer à bricoler avec les bourriches. Ouais. Une barre à bourriche. Une barre d'amorçage. Bon, j'utilise de moins en moins la barre d'amorçage, mais quand tu pêches à 13 mètres dans le vent, c'est vrai que... Pour caler la canne dans le coin avec le poignet, ouais. Ça permet d'avoir une meilleure présentation, vraiment, quand il y a du vent. Après, un bon support de kit. Ça, c'est... Pour moi, c'est important, parce que... Déjà, faire traîner tes lignes par terre, tout ça, ben, ça peut les abîmer. Et puis surtout, tes brins de canne, quoi. Parce que les cannes, ça coûte cher. Tu fous tes brins de canne mouillés dans des cailloux ou dans du sable. Après, tu re-ranges ta canne derrière, tu griffes toute la canne. Moi, quand je vois ça, j'ai de l'urticaire. Ouais. Il faut que... Le matériel, on en prend soin, parce que derrière, ça coûte cher. Et puis, si on le revend à quelqu'un, il faut que ce soit en bon état. Ok. Monsieur Casimir est maniaque. C'est pas spécialement maniaque, mais... C'est mes petites ouais, habitudes. Non, mais... Ok. Alors, tu as abordé le sujet, le sondage, qui est pour moi, aujourd'hui, quelque chose que je ne fais pas assez. Je le prends pas, mais alors, je sais que dans le Nord, vous êtes des professionnels du sondage. Comment tu abordes la chose? Comment tu fais? Comment tu commences? Est-ce que tu commences au bord? Est-ce que tu vas tout de suite à 13 mètres pour aller voir comment ça se passe? Enfin, vas-y, je t'écoute. Je suis tout ouïe.
Déjà, quand je vais arriver sur un poste, si je connais pas, je vais mettre une ligne assez longue. Que je sais, enfin normalement j'ai toujours eu quelques échos, savoir quelle profondeur il y a, donc je mets la ligne longue qui va passer partout, et je tombe au plus profond. Donc je vais aller souvent au large. D'accord. Et voir le fond qu'il y a. Je vais déjà régler cette ligne-là de 13 mètres, comme ça, je sais déjà qu'au maximum, jette déjà un petit coup d'œil un peu partout, au maximum, je vais avoir cette profondeur-là. Et puis après, moi, ce que je veux, c'est pouvoir exploiter toute ma zone de pêche. Donc, quand je dis toute ma zone de pêche, bon, si j'ai des voisins, je ne vais pas aller à 13 mètres sur le voisin, mais c'est... si tu n'as pas de voisin, par exemple, tu as une aile, ben, pouvoir pêcher toute la bordure sur le côté. Ok, ouais, tu fais un 180 degrés en fait, pratiquement. En gros, c'est ça. Ouais, tu pêches, tu vas pouvoir pêcher toute ta bordure, tu dois pouvoir pêcher devant toi à toutes les distances possibles. Donc, 3 bouts, 4 bouts, 5 bouts, 6 bouts, 7 bouts, jusqu'à 13 mètres, ça fait 8 bouts. Mmh. Et si le fond est en pente, ça veut dire qu'à chaque distance, tu vas peut-être devoir mettre une ligne. Ça peut faire quelques kits au bord de l'eau, ça. Quand tu pêches à saut court, c'est une gravière où à 13 mètres, il y a 5 mètres de fond. T'imagines un peu le truc. Mais pour moi, c'est important parce que l'écart, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui décide. Et si elle décide de bouffer à cet endroit-là, à une distance, tu ne les feras pas bouffer à une autre distance. Donc, il faut que tu puisses exploiter partout. Après, tu as des étangs, bah, hop, direct en bordure, tu as 1 mètre de fond, et puis 1 mètre de fond, ou 1 mètre 20, on va dire, à 13 mètres, et là, tu es tranquille, avec une ou deux lignes, tu peux pêcher ouais, partout. Tout à fait. Okay. Là, c'est le top. Mais le truc, c'est vraiment de régler des lignes pour exploiter toute ta zone de pêche, ça, c'est hyper important. Et puis, après, il faut trouver aussi des endroits propices. Donc quand tu vas sonder, si tu peux détecter des cassures, oui. Le fond il va remonter et puis des fois tu vas avoir un beau petit plateau, des endroits bien plats où tu vas pouvoir bien te régler, bien précis. Le réglage quand tu pêches à la carpe, ça c'est primordial, c'est important. Ouais. Il faut être bien réglé, pas trop traîné pour détecter tout de suite ta touche. Toutes ces petites choses-là, bah, ça prend du temps. Quoi. Okay. Ça prend... Pour moi, il faut au moins passer une demi-heure à sonder. Quoi. C'est minimum. Ouais. Surtout si tu connais pas les temps. Surtout si tu connais pas les temps. C'est sûr que c'est hyper important. Après, si tu connais les temps, tu as été pêché la semaine d'avant, tu retournes dans les temps, tu sais à peu près la distance que ça marchait bien. Tu vas mettre un peu moins de temps, mais le sondage et puis savoir la nature du fond aussi. Quand tu sondes, tu mets une sonde de 30 grammes, tu la laisses tomber, tu regardes, le flotteur il coule. Si tu la laisses tomber une 10 grammes doucement avec le même réglage du flotteur et qui dépasse, c'est que tu as une couche de vase. Donc, ça c'est à prendre en compte parce que si tu peux trouver un endroit où il y a moins de vase, c'est bien. Des fonds, ouais, tu pêches plus sur des. Tu vas plus privilégier des fonds durs que des fonds vaseux. Ça dépend des fois, parce que la carpe peut être aussi sur des fonds vaseux des fois. Mais en priorité, ouais, tu vas être plus sur. Bah, elle peut être sur les fonds vaseux aussi, mais tu vas avoir beaucoup plus de mal à pêcher. Ok. Alors que sur un fond dur, c'est un billard, quoi. C'est une assiette, quoi, en fait. Le poisson, normalement, il vient s'alimenter par là, quoi. Ok. Alors tu parlais sur le sondage, parce que ça c'est important. Comment tu règles ton flotteur? Est-ce que tu viens raset de ton antenne ou tu remontes ton antenne et tu viens au raset de l'embase du flotteur? Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Ah, mais... Je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, 80% du temps, on va pêcher avec l'èche juste posée au fond. Ok. Ou alors 1 cm ou... 1 ou 2 cm maxi, s'il y a du vent, on va mettre peut-être 2 cm, tu vois. Et on essaye au maximum d'être réglé bien à ras, avec très peu de traîne, quoi. Donc souvent, quand tu sondes, pour commencer, on va dire, si tu vois une petite partie du corps de ton flotteur, c'est pas mal. Ok, ouais. Juste 1 cm du corps. 1 cm du corps, ok.
Pas mal. Après, parfois, faut ajuster au centimètre près pour vraiment avoir des plus belles touches. Oui, bah oui, ça, je... des fois, ça fait juste... Hop, t'as loupé. C'est ça. C'est Là, ça. tu dis... Des fois, Voilà. c'est un petit coup comme ça, et des fois, le fauteuil il est même remonté, hein, que tu lèves un peu en retard, et ben, elle est prise dans la bouche. Donc, c'est là qu'on voit que les carpes, c'est des poissons qui peuvent faire 4-5 kilos, et ça va te Une faire petite touche. une touche comme ça. Donc, Ouais. elles connaissent très bien la musique, elles savent très bien. Par contre, tu vas aller dans un endroit où c'est très peu pêché. Tu vas aller pêcher à la patte, par exemple, dans une gravière peu pêchée. Et là, tu vas avoir une touche de carpe. Ton flotteur, il va partir comme un missile. Parce que la carpe, elle pense jamais qu'elle va être piquée. C'est ça le truc, en fait. On va regarder un petit peu le forum parce qu'on est en train de discuter tous les deux. Puis je n'ai pas regardé s'il y avait des quelques questions. Puis on va continuer tout doucement. Je sais pas si j'ai vu. Si on en a... Par contre, si on en a oublié une qu'on n'a pas répondu, n'hésitez pas à la reposer hein, sur le forum. Je regardais. Là, quel flotteur tu pêches le plus souvent, Fabrice? Vas-y. Tu peux les montrer, Ouais, tu peux les Fabrice. montrer. Donc, j'utilise deux flotteurs maison et des flotteurs Aston et Seadrum. Donc, les flotteurs maison que j'utilise, ça va être. Alors, je crois que j'en ai Ouais, vois plus vas-y. deux, Bouge plus, de c'est bon. 700. Ouais. Et t'as ta lumière derrière qui. Ouais, ça fait Ouais. chier, ça. Voilà. C'est bon. Plus sur ta gauche. Ouais, c'est ça. C'est bon. De toute façon, on va les voir après. Là, on voit plus. Mais au niveau de ton nez, si tu veux qu'on voit. Au niveau de ton nez, encore. Voilà, bouge plus. C'est bon. Voilà, donc en fait, tu as une forme boule et tu as une forme un petit peu plus effilée, mais qui reste assez trapue, tu vois. C'est les formes de flotteurs que j'aime bien et que j'utilise quasiment tout le temps, ça. Ok. Et tu vois les a Toi, priori, tu les parce que moi, ces flotteurs-là, je vais pas dire que je les aime pas, mais j'ai l'impression que le poisson, il va sentir la résistance vu la forme du flotteur, quoi, en fait. Je suis plus sur des pencils, on appelle ça, plus des flotteurs profilés, droits. T'en utilises de temps en temps, peut-être, mais après, on a des... Moi, c'est C'est la carpe. l'inverse. Je peux pas pêcher avec Ah, ça. c'est marrant, hein, mais... Et tu vois, donc les antennes, elles sont Ouais, interchangeables sur les flotteurs ça, que c'est tu top, pêches. ça. Avec la nuit. Donc tu les mets côté rouge ou Côté alors noir côté quand c'est plus... Ouais. Ok. inverse l'antenne, tu mets côté Ok. noir. Ça marche. Du coup, t'as. Ok. Ouais, du coup, en fait, tu disais tout à l'heure, sur ton amorçage, en fait, tu règles, en fait, on voit le côté noir là. C'est à peu près la hauteur Voilà. que tu laisses en sondage tout en haut de l'antenne. Non, le corps du flotteur. Ouais. En fait, quand je sonde, je laisse une partie du corps du Ok. flotteur, on va dire un demi centimètre là, dépassé. D'accord. Donc ton éche, pour commencer, on va dire ton éche, elle est posée de 1 cm au fond, Ok. quoi. Le flotteur est équilibré à mi-antenne. Ça te fait 1 ou 2 cm de Ça posé fait au 2 fond cm pour de traîne commencer. à peu près. Ok. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est bien pour commencer parce que souvent dans les étangs, c'est aussi vaseux. Donc si tu mets vraiment à ras, dès que tu as une carpe qui va venir, première fois qu'elle va fouiller, ton flotteur il va couler avec le poids de ton éche, quoi. Donc, tu vas pouvoir t'ajuster vraiment à ras pile poil ici si tu as un fond vraiment dur. D'accord. Et ouais, voilà, ça c'est les flotteurs que je fabrique. Et ensuite, j'utilise les flotteurs de chez Preston. Donc ça j'aime bien pour pêcher en surface. Parce que... Petite pêche en surface. Ensuite, ce que j'utilise le plus pour les pêches au fond, c'est ça, c'est les Seadrum CD01. Ça reste sur les mêmes formes. Donc une forme. Ça reste une forme trapue, Ouais, un petit peu comme c'est ce tu restes sur une flotteur. forme que tu aimes bien en fait. Qui carbone 1 mm, antenne elle fait 1 mm. Après, tu as ceux-là qui sont les Ouais, Diamond. je connais cela, ouais. L'année dernière, et ça c'est pas mal parce qu'en fait, tu as la gaine passante sur le côté et en plus, tu as un œillet renforcé. Et ça, c'est costaud, quoi. Ok. Ça, c'est super solide comme flotteur et ça pêche pas Et puis mal. dernier pour la patte, hein, c'est ça? Bah l'avant-dernier. Les petits flotteurs là. Pour la bordure, ça, les tout petits flotteurs.
avec une antenne pas trop fine pour pouvoir pêcher sur des fonds un peu accidentés, où tu vas mettre un pois chiche, un truc comme ça pour sur des appâts un peu plus lourds ou un peu plus denses pour ouais. Un peu lourd en bordure pour pouvoir mieux régler ta ligne. Ça va bien. Et puis les flotteurs ouais. À pattes. Grandes antennes. Ok, cool. Cool. Voilà un petit peu ce que j'utilise. Après, ça reste toujours à peu près tout le temps sur la même forme trapue. Et tu vois, moi je pense les flotteurs pencil, c'est très bien si tu vas avoir des conditions parfaites, pas de vent, tout ça. Mais quand tu as du vent, je préfère quand même ce genre de flotteur. Bien équilibré, malgré tout, ça reste quand même sensible. Ok, donc bah, ça tombe très bien, on enchaîne. Alors sur les lignes, tu as abordé un petit peu tout à l'heure la taille du nylon et tout ça. La première question que je me pose, est-ce que tu pêches en direct ou tu pêches avec des bas de ligne? En direct. En direct, ok. En direct pour la solidité et pour éviter d'avoir des angles au niveau du raccord bas de ligne, tout ça, pour avoir une ligne bien droite comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Bien droite, rigide et tout le temps en direct, déjà c'est beaucoup plus solide. Et après, on m'a appris comme ça aussi. Ah bah... Les badlines ça marche aussi hein, parce que je connais des très bons pêcheurs qui l'utilisent et ça marche. T'as encore des pêcheurs en carpodrome qui utilisent le badline? Ouais, 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 je suis surpris. Quoi. Bah après, sur des gros poissons, par contre. C'est peut-être dangereux quand même, non? Ou après, tu me diras, il y a la canne et l'élastique qui est là aussi pour amortir le choc du poisson. Mais après, ils pêchent comme ça, et je pense qu'ils utilisent aussi des plus petits élastiques, peut-être pour amortir un peu plus. Ouais, pour éviter le choc du... Ok. Parce qu'un bas de ligne court, c'est vrai que c'est moins costaud. Ouais, bah oui. On... Et puis, t'as le corps qui fait que c'est moins solide. Mais après... Eux, ils justifient ça en disant que c'est plus polyvalent parce qu'ils peuvent changer d'hameçon en cours de pêche. Si la pêche elle est dure, mettre un plus petit hameçon, etc. Si par exemple, tu as un hameçon qui s'abîme, une pointe qui s'émousse, bah, hop, rapidement, ils changent de bas de ligne. Donc, c'est vrai qu'il y a certains avantages, mais moi, j'ai fait mon choix quand même. Pour moi, les lignes en direct, en ayant le matériel fiable, au niveau des hameçons qui s'abîment pas, le nylon fiable également, c'est très rare que je dois changer une ligne. En cours de pêche, ouais, ok. Alors, en termes de ligne, justement, parce que est-ce que tu as un stock de lignes d'avance ou quand tu... Pas tant que ça. Bah non, en fait, j'ai quelques lignes d'avance quand même, hein, parce que pour pas perdre de temps en compète, il faut changer en cours de pêche. Mais ce que je fais, c'est que je prépare, j'ai toujours un petit stock de lignes, et dans la semaine, selon l'endroit que je vais pêcher, je prépare toujours, allez, on va dire 7-8 lignes, entre 5 et 8 lignes pour la pêche que je pense faire sur les temps où je vais. Ok, c'est impressionnant parce que tu sais pas encore, je suis admiratif, voilà. Tu sais pas le poste que tu vas avoir, quoi. Donc il faut quand même que, malgré que tu n'aies pas beaucoup de lignes, faut quand même que tu aies des lignes polyvalentes pour tous les postes où tu vas choisir. C'est toujours hyper simple. Ça va être, si c'est à la belle saison, ça va être du 20 ou 22 centièmes. Okay. Le flotteur, tu restes sur tes standards. Si je mets tel endroit avec telle profondeur, bah, je sais que je vais mettre tel flotteur et je regarde toujours la météo. Si ils annoncent beaucoup de vent, bah, je vais prévoir quelques lignes avec plus gros. C'est un truc que je regarde, la météo, pour savoir si je vais monter des lignes plus ou moins lourdes. Et puis pour choisir aussi mes appâts. Si par exemple là je vais pêcher dimanche, j'ai regardé la météo. Il faisait 8-9 degrés toute la semaine, dimanche 4 degrés. Déjà, j'ai prévu des asticots, des terreaux. Là, je m'attends à une pêche difficile, tu vois. Ok. Tout ça, c'est hyper important, en fait. Ouais, ok.
C'est tous des petits détails, hein, en fait. C'est des petits détails sur les apports, des petits détails sur les flotteurs, des petits détails sur les lignes, des petits détails sur ta stratégie de pêche que tu cumules. Et puis au final, ça te permet de faire quelques poissons en plus des fois. Ok. Ok, bah, ça continue. Donc après, on était dans. C'est bien, ça enchaîne super bien. J'ai pas besoin de faire les enchaînements. Donc j'étais parti sur les appâts. Donc là, tu vas dire, c'est vrai qu'on va arriver en période hivernale. Donc tu vas plus être sur des appâts, on va dire, naturels. Dès que l'eau va commencer à refroidir en température. Tu peux utiliser du pelé, mais peut-être plus en amorçage d'accoutumance. Mais ça va plus être, bah là, comme tu disais, là, dimanche, si ils annoncent des températures plus fraîches, tu vas être plus sur du ver de terre ou du terreau, quoi. C'est ça? Je vais prévoir des expanders. Même l'hiver, j'aime bien pêcher au pelé à l'expander, mais des petits Ouais. expanders comme ceux-là. Les pro Ouais, expanders. ce que tu mets directement dans l'eau, t'as pas besoin d'utiliser de pompe, hein, c'est celle-ci. C'est Ouais, ça. ça c'est mon aile favorite. Hein. Je pêche très souvent avec ça. Les pro expanders et en amorçage. L'amorçage, tu vois, ça va être plus des micro-pelés comme ça. Ok, ouais, bah, je connais, ouais. Ok, du 2 mm, ouais. Profil pelé en 2 mm ou n'importe quel pelé que vous voulez Ouais, qui fera l'affaire. en 102 mm 2 mm. plus. Alors, est-ce que en fonction de la saison, tu vas monter en diamètre de pelée ou tu restes toute la saison sur du 2 mm? Bah, en fait, j'ai toujours Hein? un peu tous les diamètres au bord de l'eau. D'accord. J'ai toujours du 2, au moins du 2, du 4. Ça, c'est pour moi important parce que parfois, avec du 2, tu vas rater tes touches et avec du 4, qui est plus lourd, qui va être bien plaqué au fond, les poissons, ils vont être moins fous et tu vas mieux les prendre. Ok. Alors. Et puis, il y a aussi le fait de les mettre soit mouillés, soit secs. Ça va jouer aussi sur les qualités de tes touches. Ah. Comment tu fais pour mettre des pelés secs? Parce que ça va pas couler. Si? Ah, si, en fait, j'ai pas pris les petites coupelles de scion Preston, mais si tu les as déjà Ouais. vues, elles sont Ouais, trouées. ouais. Tu les mets secs dans ta coupelle de scion, et au bord, à côté de ta bourriche, tu trempes ta coupelle de scion et tes pelés. Ok. Du coup, Tu. tes pelés, ils sont encore pleins d'huile, en Ouais. fait. Et là, tu vas les foutre dans la flotte, ils vont travailler beaucoup plus que si tu les as mouillés il y a 2 heures. Ok. Et ça change beaucoup sur les qualités de tes touches. Par contre, des fois, si tu fais ça va pas marcher du tout parce que en faisant ça, tes pelés ils sont encore pleins d'huile, tu vas les mettre dans l'eau, ils vont travailler. Et si tu as tendance déjà à harponner tes poissons et que tu mets tes pelés comme ça, ben, ça sera encore Ouais, pire. c'est parce que t'as trop de pelés dans la zone et en fait c'est un peu le bordel en dessous quoi, c'est tu les harponnes. Ok. Ils sont volatiles, les petits pelés comme ça. Donc, moindre poisson qui vient, ça va te faire décoller les pelés. Un coup de queue, tes pelés ils partent partout. Et du coup, tu as des poissons qui nagent dans tous les sens et tu vas les harponner, quoi. Je t'ai pas posé la question et j'ai du coup tu m'as fait penser en fonction de ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu utilises encore des kits coupelles ou tu es vraiment que plus maintenant sur des kits, des micro coupelles qu'on met sur les kits? Moi, j'ai les T'as deux, encore les deux? mais souvent c'est quand même la micro-coupelle. La coupelle de sillon, quoi. C'est ce qu'on utilise le plus. Après, tu as des étangs qui nécessitent des amorçages plus Et là, importants. tu passeras sur un kit coupelle, ouais. Ça semble ok. Ouais, il faut l'avoir quand même. Hein. Il y a des étangs où ça suffit pas la coupelle de sillon. Et il faut avoir quand même le kit coupelle sur tous. J'ai remarqué sur les pêches au maïs ou en bordure, où des fois tu dois charger tes bordures, c'est pas suffisant la coupelle de sillon. Donc des fois le fait de pouvoir charger avec un gros kit coupelle, ça aide. Et puis tu as des étangs profonds, comme bah, je vais reprendre l'exemple de Saucourt, où bah, tu as beaucoup de poissons blancs aussi, Ouais. et tu as 5 poissons. Donc si tu mets une petite coupelle de sillon comme ça pour des poissons qui font 10 kilos, Ça suffit pas, ça va pas les arrêter. au fond, ça sera déjà éparpillé, et puis il y en aura une partie mangée par le poisson blanc, et tu vas pas attirer les gros poissons en fait. Donc, souvent dans ces cas-là, on utilise quand même les gros kits coupelles, enfin les kits coupelles avec les grosses coupelles.
Ok. Bah tiens, je tombe sur. Frédéric pose une question là. As-tu déjà pêché de nuit avec des flotteurs lumineux? Si c'est vrai, est-ce que tu pratiques la. T'as déjà pêché la carpe de nuit? Non, Jamais! jamais. Ça te. Jamais, ça m'intéresse pas du tout. Je travaille déjà la nuit, c'est bon Donc quoi. c'est vrai. Bon, après, toi, tu fais de la compétition, mais c'est tu fais jamais des 24 heures comme ça pour le fun avec un pote en américaine. Non, mais j'aime pas trop les compétitions trop longues en fait. Ouais. En T'as pas besoin fait, moi de je. pêcher longtemps en fait pour faire du poisson. C'est pas Ouais, non, je ça, plaisante. c'est que en fait j'ai beaucoup de routes souvent moi pour aller faire les concours. Ouais. Donc compétition qui va commencer à 8 heures du mat, ça veut dire que moi j'ai 2 heures de route, ça veut dire que le tirage il va être à 6h30. T'imagines à quelle heure je dois me lever? Je dois me lever à 4 heures quoi. Ouais, je comprends. Ok. Ouais. Tu bosses tout Ouais. en bossant la semaine. En faisant des nuits, des matins, je travaille sur des horaires décalés comme ça. Le week-end, j'ai pas envie de me lever à 4h du Ouais, mat, je quoi. comprends, je comprends. Donc, ça, et puis faire des compètes pareil la nuit, non, ça m'attire pas du tout. Ok, bah, pas de souci. Pas de souci. Ok. Donc, on va finir sur les appâts. Donc, en fait, en général, tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure dans tes explications. Donc, ça va être du maïs, un peu de pâte, du pelé espandeur, des terreaux. Moi, je suis toujours surpris dans les compétitions parce que quand tu regardes derrière, c'est. Vous devriez avoir des contrats avec, je vais dire une marque, mais on pourra en dire plusieurs, mais avec Bonduelle par exemple, parce que les boîtes de maïs que vous mettez, c'est impressionnant quand même. Ça reste quand même l'appât à 80% le plus utilisé pour les gens qui font de la compétition. Assez souvent, quoi. Ouais, ça dépend Ouais, les ouais. étangs. Ça dépend les étangs. Il y a des étangs, quand elles veulent du maïs, bah, t'as intérêt de prévoir des Ah, cagettes. Comme. j'avais vu une photo à Saint-Hélier. Que tu avais faite ce jour-là, il voulait du maïs. Ah ouais, Ouais. Saint-Hélier, ben, cette semaine-là, oui, et la semaine Non, d'après, c'est ce que non. tu disais tout Il à fallait l'heure. pêcher à la Ouais. patte. Et ouais, par contre, le maïs, ben, quand il va à la grosse coupelle, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, tant qu'il. Tu vas mettre avec ta boîte de maïs, tu vas faire Deux deux allers-retours, ouais, coupelles, tout hein, à tu vas fait. faire deux poissons. Donc ça va vite, ouais. Vas faire un ou deux poissons avec une boîte de maïs. Donc imagine si vraiment il y a de la touche, bah, tu vas prévoir 40 boîtes de maïs. Donc ça peut choquer, hein, ça peut choquer. Mais sur l'année, tu vois, des pêches à 40 boîtes de maïs, moi ça m'arrive 3 fois peut-être. Après, plus souvent, ça m'arrive de mettre un quart de litre de pelée sur une partie de pêche, par exemple. Là, en ce moment-là, j'ai fait des pêches où je mettais grand maximum 1 demi-litre de pelée, quoi. Tu vas foutre un fond de pelée dans une coupelle de sillon, parce que le poisson, il n'a pas faim. Mais c'est toujours les poissons qui décident, hein. Si elles veulent bouffer, ben, il faut leur mettre à bouffer. Si elles veulent pas bouffer, faudra être prudent et pas mettre grand-chose. C'est à nous de nous adapter, quoi. Ok. Il y a Dédé qui fait son rôle de modo là, qui dit, il y a Jérôme qui pose une question, que penses-tu des F1? Alors, je pense que c'est les poissons. Hein. Ah, ça j'adore. T'adores? Ça c'est et ça franchement dans les carpodromes, c'est le top. C'est des poissons en fait qui c'est un mixte entre des carassins et des carpes. Et qui vont pas trop grossir en fait. On va dire quand tu as déjà des beaux F1, s'ils font 2 kilos, c'est déjà des très beaux F1. Ils vont pas trop grossir et c'est des poissons, du coup, comme ils sont pas trop gros, ils ont besoin de se nourrir aussi l'hiver. Ah, donc ça meurt toute la Et donc en saison, quoi, en fait, fait. ils pêchent toute l'année ces poissons-là en Angleterre, ils pêchent toute l'année en ficherie parce qu'ils ont des F1. Et ils font des pêches, bon, c'est pas des pêches à 100 kilos, mais tu vas faire 30 000 de F1, des poissons entre 1 500 et kilo. 1 kg. Tu t'es amusé quoi. Tu mets si tu mets des élastiques pas trop gros et t'adaptes un petit peu ton montage pour bah tu t'amuses quand même quoi. T'as des touches et puis c'est des poissons qui se défendent bien quoi. Et puis c'est des poissons hyper techniques. Des touches de F1, bah, si tu mets 1,50 m de bannière, tu vas pas les ferrer. C'est des poissons hyper techniques et hyper intéressants à pêcher, quoi. Ça maintient l'entraînement pour la compétition au beau jour en fait. Ça te permet de continuer à progresser et puis l'approche est comme tu dis assez Ouais, technique, ouais. Ok. c'est des poissons top.
pas mettre dans les cartes programmes. D'accord. Donc, tu avais parlé tout à l'heure des maïs artificiels, donc tu en utilises aussi. Et puis, il y a aussi les fameux petits pompons qui sont beaucoup utilisés dans le Nord, qu'on commence à voir de plus en plus un peu partout. Ouais. J'avais vu ça, bah, c'est mon Fofo 76 là, qui m'avait montré ça. Et bah, c'était à, c'est pas Saint-Hélier, mais à Naine Normandeuse. Bah, en période qui avait réussi justement à faire une pêche sympathique parce que c'était avec ça que ça tapait. Bon, c'est une pêche aussi active parce que ça oblige à monter et à descendre, mais c'est une pêche active et ça cartonne. Tu utilises des différentes couleurs ou tu es sur du neutre, du blanc? J'utilise pas mal les blanches, les roses. Ouais, ok. Les couleurs classiques comme le bleu. Ouais, ouais, qui ressemble au pelé, ouais. Mais quand même plus souvent les couleurs vives comme le blanc et le rose. Parce que j'ai l'impression qu'en fait les poissons bah, ils se demandent ce que c'est que ce petit truc. Ils sont curieux quoi. Ils ont pas trop l'habitude de voir des trucs comme ça et en fait ils viennent le choper quoi. Et c'est un peu le réflexe qu'ils ont et je pense que c'est plus par réflexe qu'ils viennent prendre. Ouais, par curiosité, ouais. Parfois, ouais, tu ouais. Vois, entre un pelé, une pêche au pelé, tu vas mettre un expander. Tu vas faire parfois un peu de poisson, mais tu vas passer sur une souris. Ah, c'est ça. Et tu vas sur la même ligne, hein, tu vois, même réglage, même ligne, tu vas mettre une souris et bim, tu vas tout de suite tu vas avoir plus de touches. Donc c'est vraiment que la densité. Après, la densité est différente aussi. C'est que comme c'est une mousse, tu es même obligé de la mettre dans l'eau et d'appuyer un peu dessus pour qu'elle coule. Que si tu la mets comme ça sec sur ton hameçon, en fait ton hameçon il va remonter. Ouais, il faut un hameçon fort de fer qui puisse. Après que la densité de l'eau en fait. Ok. Donc quand tu pompes, hop, ça redescend tout doucement et les poissons curieux, éduqués, tout ça, ils viennent le choper quoi. Ok. Ouais, ça fait penser aux pêches des carpistes, ils pêchent aux zig en fait. C'est des appâts qu'on imitation insectes et tout qu'on utilise pas mal. Et ouais, c'est ok. D'accord, ouais, ça c'est la densité qui fait pour moi le succès de ce truc là. Et inversement, les maïs artificiels, c'est le poids pour le fond. Plus dense qu'un maïs classique. C'est l'inverse, ça devient dans des conditions difficiles où tu as du courant, tout ça, c'est l'inverse, ça devient bien de caler ta ligne. Quoi. Ok, on passe sur les élastiques. Alors, les diamètres que tu utilises, ce que tu m'avais dit en off, si j'ai pas de bêtises, c'était sur du 2-2, 2-4, 2-6, si j'ai bien noté, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Le plus, on va dire 80% du temps, c'est quand même 2-4, 2-6. Donc, l'hybride 2-4, quand je vais pêcher en 20 centièmes, si je vais mettre un 22 centièmes, ça sera l'hybride 2-6. Et vraiment, quand c'est des pêches difficiles comme en ce moment où il n'y a pas beaucoup de poissons, ça va être un 2-2 avec un 18 centièmes. Ok. Alors tu disais, toi, tu changes pas trop d'élastique. Tu disais, on a tendance, quand c'est des pêches difficiles, à... Bah, c'est pas l'élastique, pardon. C'était le nylon que tu disais tout à l'heure. Mais l'hiver, bon, tu pratiques moins la pêche l'hiver. Tu profites un petit peu de la famille aussi. Mais t'aurais pas tendance à pratiquer, moi c'est ce que je fais, on a tendance à faire dans les eaux, plus quand l'eau commence à descendre plus froide, on cherche un peu la discrétion parce que bah, les poissons sont déjà un peu actifs, et puis je t'encendrais en diamètre de nylon, tu ferais la même chose ou tu resterais quand même sur quelque chose de basique comme tu fais toute l'année quoi? Non, je pêche pas les carpes en moins de 18 centièmes. D'accord. Jamais. Pour moi... Ça n'a pas d'intérêt, comme je t'ai expliqué, en fait, c'est que... La rigidité. Je veux une ligne rigide, et pour moi, si tu mets une ligne trop souple, ça va pas pêcher, quoi. Ça va pas me convenir. Ça va pas me convenir. Donc, ce que je fais, moi, c'est toujours comme ça. Et puis, là, malgré, tu vois que c'est des pêches qui commencent à devenir difficiles, même en 18 centièmes ou 20 centièmes, bah, ça n'empêche pas de faire du poisson. On pense parfois aussi avoir plus de touches en diminuant le diamètre du nylon. Mais au final, parfois, tu n'en as pas plus. Et puis, le peu que tu vas piquer, tu vas en laisser une partie dans l'eau. Donc, c'est un compromis à faire. Quoi. Moi, j'aime bien pêcher avec des bons nylons costauds. Ok.
Donc on va partir. Donc tout à l'heure on a abordé la partie sondage. C'est vrai que ça. Alors quand tu t'installes sur ton poste, tout ça, t'as fait ton sondage. En cours de pêche, c'est moi j'avais. Bah tu vas le dire. Combien de postes tu fais ou combien de coups tu fais lors d'une compète? Une moyenne. Ouais, ça peut être vachement variable. Ça peut être un coup. Si vraiment il n'y a pas beaucoup de poissons à faire et que tu pêches que au large, des fois on va faire qu'un seul coup pour pas disperser le peu de poissons qu'il peut y avoir. Et parfois tu vas sonder 50 fois et tu vas faire 50 coups du coup. Nice. Pour ta jeunesse. Bon, dans ces jours-là, quand tu fais 50 coups, c'est que ça va pas bien quoi. C'est ouais, ça veut rien dire? Rien à dire parce qu'en fait parfois il faut le faire quand même, c'est chiant hein. C'est casse-couille mais parfois il faut le faire quand même parce que c'est le seul moyen de prendre du poisson en fait. Les carpes elles sont tellement chiantes ce jour-là, elles viennent sur un coup et puis t'as des endroits où c'est vaseux et du coup t'as pas le choix en fait parce qu'elles viennent, elles creusent, elles essayent de trouver tes pelés ou le maïs que tu mets au fond, elles creusent, du coup, ben, t'es toujours en train de te régler, et puis à un moment donné, tu pêches dans un cratère de 5 cm, quoi. Tu pêches dans un petit trou. Dans une cuvette, en fait, donc, ouais. Okay. En fait, t'arrives plus à prendre les poissons au bout d'un moment dans des trous comme donc, ça. Du coup, tu changes, tu préfères décaler. Trouver un fond un peu plus plat et réamorcer. En fait, c'est pas gênant parce qu'il y a tellement de poissons dans la zone, des fois. Ça c'est souvent les pêches dans les endroits où il y a beaucoup de poissons et avec des fonds vaseux comme en Belgique ça arrive où bah, tu dois régulièrement refaire un coup. Hop, alors des fois tu n'arrives plus à les faire là, tu vas te décaler 50 cm, bim, tu vas les faire à la gueule, tu les prends plus. Alors quand je te parlais du sondage tout à l'heure par exemple, pendant ton heure de préparation dans ces cas là, si tu as repéré une zone où tu as le même fond, là tu vas gagner du temps pendant la pêche parce que tu n'auras même pas besoin de ressonder, tu vas changer de place. Et tu sais que tu pêches. Tu vas faire un coup, tu vas en faire une, deux, tu vas voir que ça merde. Au pire, tu vas réajuster une fois le flotteur pour dire d'en refaire une sur ce coup-là. Et puis après, bah, c'est parti. Comme tu sais que tu as le même fond partout, tu es parti, tu fais des coups à 50 cm décalés à chaque fois, tu pêches comme ça. Et là, tu mets du poisson en bourriche, quoi. Et tu vas beaucoup plus vite. Ok, ok. Et en cours de pêche, bah, tu viens de le dire, mais est-ce que tu ressondes des fois? Ouais, je pense que oui. En cours de pêche, tu vas... Quand tu... Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, si, si. Après, pendant ton heure de prépa, tu fais au maximum, maximum la topographie du fond dans ta tête, mais des fois, quand même... C'est limité quand même le cerveau. Hein. J'allais te poser la question, est-ce que tu n'as pas un petit carnet avec où tu fais un petit plan avec des cotes et des distances ça, non, tu fais pas ça. C'est tout là-dedans. Bah, j'essaye de retenir en fait. J'essaye de tête savoir bah, telle distance, telle direction, au brin 6 par exemple, telle distance. Et puis j'ai en fait tous mes kits, je les ai marqués. Ouais. T'as des marques qui le font maintenant, ils marquent en fait les profondeurs de pêche sur le kit, quoi. Et donc, du coup, je sais quelle profondeur j'ai pour telle zone de pêche. Ok, ouais, c'est cool. Et si je change de ligne en plus, comme mes kits sont marqués, et ben je gagne du temps, c'est encore une fois du temps, et puis au final, du temps gagné, c'est quelques poissons en plus. Ah ouais, bah tout à fait, bah c'est ce qui fait la différence à la fin. Donc j'ai une avant-dernière question sur le sujet. La distance de pêche quand tu commences un match, tu vas commencer tout de suite à 13 mètres ou tu vas commencer d'abord à 4 bouts, à 5 bouts? Si je connais le plan d'eau, je vais déjà avoir une idée avant de pêcher de savoir comment je vais commencer. Après, si c'est un étang que je connais pas du tout, on va dire, j'ai aucune info, bah, je vais sonder, je vais voir déjà les fonds différents, voir si sur les bordures j'ai des bons fonds, si c'est des fonds catastrophiques. Et en fonction des fonds que je vais avoir, je vais
Souvent, je vais essayer de commencer à une distance intermédiaire. Je vais jamais commencer, si je connais pas, à 13 mètres direct. Ça, c'est... Je pense que c'est une erreur. Parce que parfois, le poisson recule. Et du coup, ben, si tu commences à 13 mètres direct, après, c'est toi qui vas mieux le commencer. Mais sur la durée... Tu seras plus à distance de pêche. Quoi. C'est surtout ça, après. Quoi. Ouais. Donc, je vais commencer à une distance intermédiaire, genre 5 bouts. Si le fond, il me convient. Si j'ai un beau fond. Si, par exemple, j'ai un fond en pente, et après, j'ai une belle petite cassure. Après un fond plat, ben, c'est un endroit que je vais commencer. Souvent, c'est des endroits qui me plaisent. Et puis après, je vais changer ma pêche. Comme je t'ai dit, je prévois toutes les distances de pêche pour pouvoir exploiter toute ma zone et en fonction de ce que les autres ils vont faire. Donc l'idéal, c'est quand tu as une vision de tout le plan d'eau. Et là, tu dis, bah, tiens, lui là-bas, il prend plein de poissons. Alors que tu regardes quelle distance il pêche. Quelle distance il fait ses poissons et son style d'amorçage, est-ce qu'il met des grosses coupelles, des petites coupelles, en fonction de ce que tu observes tout autour du plan d'eau. Après, tu ajustes ta façon de pêcher pour essayer après de faire des poissons régulièrement. Quoi. Ok, ok, super. Et ma dernière question, parce que ça, c'est malheureusement, je fais partie des gens qui n'ont pas de chance, le tirage au sort. C'est pas que j'ai pas de chance, c'est que c'est variable en fait. Le tirage, t'as des périodes où t'as des bons tirages. Y a pas de personne qui a que des mauvais tirages et des personnes qui a que des bons tirages. Je pense que ça, la chance elle tourne comme pour tout le monde. Et puis bon, après, il faut profiter surtout. Le truc, c'est de profiter des bons tirages. Quand t'as le bon tirage, là par contre, faut pas te louper. C'est ça le truc faut important. Faut être efficace, ouais. Ok. Ok, ok. Et on avait abordé un petit peu le sujet ensemble, la Coupe de France, là, ils avaient fait, la dernière Coupe de France, une nouvelle façon de comment... Bah justement, pour contrer un peu ce tirage au sort, en faisant des poules de 5, de 5, hein, 5, tu te battais pour 5 personnes, si je dis pas de bêtises, dans ton secteur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce que moi, pour être honnête avec toi, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils viennent d'inventer et tout. Alors au début, c'est vrai que j'étais un peu. Au début, j'étais un peu. Puis en fur et à mesure de l'épreuve dans le temps, bah, dans la durée, je me dis, bah en fait, c'est pas con quoi. Maintenant, toi qui fais de la compétition, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, ça m'a pas servi, donc c'est pour ça que je déconne en disant nul à chier, mais. C'est vrai que non, ça aurait été l'année d'avant, t'aurais été placé quoi. C'est ça, je crois, hein, ce que j'avais cru lire. Ouais, c'est ça. Et puis là, cette fois-ci, j'aurais fait podium avec Cédric. Donc, on était un peu ouais, frustrés, on va dire. Mais à la base, l'idée, je pense que sur le papier, elle est bien parce que sur ces étangs, souvent, t'as quand même le poisson qui est plus localisé d'un côté ou de l'autre du secteur, tu vois. C'est des grands étangs et c'est pas des carpodromes comme on a chez nous où t'as une grande densité de poissons et tout le monde a du poisson devant soi. Donc quand t'es dans la bonne zone, t'es content. Mais quand t'es pas dans la bonne zone, bah, t'es content de te battre qu'avec les gens qui sont dans ta zone. Ouais, tout donc, à fait. En fait, leur classement, il est fait de façon à ce que tu te bats avec tes deux voisins directs. Donc... sur le papier, c'est pas mal, quoi. Après, c'est à ta charge de essayer de battre tes voisins, quoi. Voilà, il y avait un beau... dans ton secteur à toi, il y avait des bons compétiteurs. C'était tombé, le hasard a fait quand même. Ouais, bah, de toute façon, en Coupe de France, il y a toujours des bons. De toute façon, à ce niveau-là, c'est déjà quand même des bons pêcheurs. Parce que il y a eu quand même quelques matchs avant pour en arriver là, quoi. Déjà, faut réussir à se qualifier. Ouais, tout à fait. Déjà, faut réussir à se qualifier, c'est clair. Puis c'est plus compliqué qu'à l'époque où moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Parce que maintenant, il y a les... Le niveau augmente très vite. Hein. Si tu décroches quelques années de la pêche en compétition, surtout à la carte. Là, actuellement, j'ai des approches un peu différentes que, par exemple, j'avais il y a 2 ou 3 ans. J'essaye toujours d'évoluer, de m'améliorer, côtoyer, discuter avec les personnes. Si tu stagnes et que tu restes sur tes acquis, à un moment donné, tu te fais dépasser. Hein. Donc,
faut tout le temps aller pêcher, côtoyer du monde, le maximum de monde, aller pêcher avec des gens qui ont un bon niveau. Et là tu progresses quoi. Mais si tu restes dans ton petit coin, dans ton confort et tout le temps pêcher au même endroit, tout ça, ben, à un moment donné tu stagnes et puis tu te fais dépasser. Ouais. C'est logique quoi, c'est un peu comme dans tous les sports. Hein. Ok. Je te propose, là, on a fini la partie compétition, ton approche. On va aller regarder les questions dans le forum et puis on va terminer sur le matériel que tu utilises. Voilà. En tout cas, merci parce que ça change pas mal sur le forum, c'est cool. Puis on est toujours 70. Alors merci beaucoup de suivre. Merci pour Fabrice. Y a pas mal de questions qu'on a dû zapper à mon avis, Ouais. parce qu'en discutant, Bah. on regarde pas Bah, c'est trop. parce que nous on est pris dans notre trip, ouais, c'est pour ça quand même qu'on. Le but c'est une interaction aussi avec les gens qui regardent. Une question, si tu devais avoir un seul diamètre de nylon et d'élastique et une seule forme de flotteur dans un carpo type Saucourt ou Méricourt, tu choisirais quoi? Donc déjà la forme de flotteur, comme j'ai dit tout à l'heure, a toujours trapu. Boule ou on va dire goutte d'eau, mais ça reste quand même trapu. Diamètre du nylon pour Saucourt, ça sera minimum 22 centièmes. Pour Méricourt, ça sera en moyenne à Méricourt, je pêche souvent en 20 centièmes. En fait, les poissons en Méricourt, ils tirent pas très fort. Et en 20 centièmes, t'as pas besoin Ouais. de. Tu casses quasiment jamais en 20 centièmes. Donc Méricourt, ça sera 20 centièmes, Saucourt 22 centièmes. Et les élastiques, donc si je pêche en 20 centièmes, ça sera un hybride en 2,4. Et si je pêche en 22 centièmes, ça sera un hybride en 2,6 avec un hameçon CD03. OK. Voilà. OK. Donc cette question-là, Ouais, après, est-ce qu'on peut voir d'autres? J'en ai une, T'en as ouais, une? Hervé qui demande ton meilleur souvenir en Carpodrome. Parce que tu dois en avoir quelques-uns quand même. Les deux titres de champion de France, ça c'est quand même Hmm. énorme. Surtout le deuxième d'affilée. Parce que tu les as remportés 2 années de suite, hein. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, ça c'était énorme, mais c'est une récompense individuelle, tu vois. Donc tu partages pas trop, tu as du mal à extérioriser avec quelqu'un. Mon plus grand souvenir, bah, j'en avais déjà parlé, c'est le concours des voitures, le Carpo Dream Master. Et ce concours-là, quand tu gagnes une voiture, et quand ça joue à un pouillème, à 5 minutes près, à un poisson, tu as le stress de la compète, tout ça, et à la fin, tu gagnes la voiture. C'est vrai que là, c'est un super Ah souvenir, quoi. Et bah puis j'ai partagé ça avec mon Américain, toujours, mon gros lobe, Cédric. ouais. Donc c'était quand même mon meilleur souvenir, c'était ça. Ouais, puis pour revenir à la Coupe de France, c'est sur la deuxième épreuve, bah, la deuxième année, où tu gagnes grâce à un gros. Tu fais un gros fiche. La première année, tu fais un gros fiche? C'est le championnat de Ouais, France pardon. que j'ai gagné deux Champion, fois, pardon, c'est excuse-moi. la Ouais, coupe. champion de France, pardon. C'est la première année ou la deuxième année que tu fais un gros fiche avec. C'est la deuxième année à À Saucourt Secours. où je prends un poisson dans le dernier quart d'heure, un poisson de 8 kilos, sur une pêche où c'était dur cette fois-là, où on avait commencé de bonne heure et les poissons, ils n'avaient pas trop répondu. Et en fait, je gagne 46 kilos la dernière manche et le deuxième à 40 kilos. Waouh. Donc sans ce poisson-là, ben, j'aurais eu un point de plus et j'aurais pas été champion. J'aurais fait podium, mais j'aurais pas été champion. Ok, là, ça joue à peu de choses. Ouais, ok. Tu as des micro-coupures. Oui. De temps en temps, Fabrice, tu as des micro-coupures avec ton son, mais ça va, ça le fait encore. Ouais, c'est un peu normal. Hein. C'est parce que. Je regarde encore. Ça, on l'a vu. On a parlé de la pêche de nuit. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Je regarde, je passe. Est-ce que ça t'arrive de pêcher des esturgeons, Fabrice? Bah ouais, dans des carpos, il y en a Ouais. certains carpos où il y en a. Ouais.
De temps en temps, ouais, ça Parce arrive. qu'il posait la question en hiver. Après, je pense qu'en hiver, tu es plutôt à la maison avec la famille qu'à la pêche. Mais après, pour en pêche loisir de temps en temps, peut-être. Temps en temps, j'y vais l'hiver, quand vraiment ça démange, Quand ça manque un ça peu, arrive ouais. que j'aille faire un... Je vais de temps en temps faire un concours, même pêcher des fois les carpes, ou même si je sais que c'est un peu plus la loterie l'hiver, Ah, mais c'est plus technique. des moments quand ça me manque trop, j'y vais quand même. Et après, je pêche aussi un peu les poissons blancs, l'hiver. De temps en temps, je fais soit un petit concours avec mes collègues de l'équipe qui aiment bien pêcher les poissons blancs, Jonathan ou Morgan, ou alors une petite pêche détente, quoi. Alors attends, il y a David qui met en compétition combien de temps mets-tu le poisson en moyenne dans la bourriche? Je pense que c'est con. Maintenant pour mettre un poisson dans la Ouais. bourriche, bah ça varie pas mal d'un étang à l'autre en fait. Par exemple, à Méricourt, comme je disais tout à l'heure, les poissons ils tirent pas énormément. Je sais pas trop l'expliquer, mais ils ont tellement l'habitude d'être pris, repris, tout ça. Je pense qu'une fois qu'il est pris, on va dire bon, bah c'est bon, je vais aller faire un petit tour en bourriche. Et tu as des étangs comme Saucourt où là. Tu fermes le fiche et tu serres les fesses, quoi. Ça te prend 10 mètres d'élastique et puis tu mets un bon 5 minutes, voire vraiment quand c'est des beaux poissons, 10 minutes pour les remonter. Et puis des fois, bah, tu as des étangs, en 30 secondes, tu vas faire un poisson de 6 kilos. Ouais, c'est aléatoire. C'est vachement variable en fait. Tu peux... Y a pas de temps vraiment précis, quoi. C'est vrai qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble, et ça peut être important quand même. Il y a Patrick qui dit quel plomb tu utilises, et moi je voulais voir avec toi après, moi, tu peux lancer derrière, c'est comment tu les positionnes à peu près sur une ligne, tes plombs. Alors les plombs, j'utilise tout le temps les Ouais. Stotz. Donc on m'a appris comme ça à mes débuts quand je suis allé en Belgique et j'ai jamais changé parce que ben, on change pas quelque chose qui marche bien. Donc en fait j'utilise ça et tout le temps des plombées groupées. D'accord. Donc de l'hameçon ça peut être de 5 à 30 cm. Ok. En partant de l'hameçon, c'est ça, de 5 à 30 cm? Ok. Donc, tu vois, par exemple, sur des pêches hyper techniques où les poissons ils recrachent vite l'hameçon, je vais mettre une plombée super basse parce que pour voir vite la touche. En fait, si tu mets la plombée basse, forcément, le poisson, dès qu'il aspire, il fait bouger ta plombée. Du coup, ton flotteur, il retransmet la touche. Donc, sur les pêches hyper techniques comme ça, avec des petites touches, c'est les plombées basses. Et après, des pêches où il faut pomper et faire descendre l'aige doucement, je vais remonter un peu la plombée, mais ça restera toujours une plombée groupée en fait. Parce que sur des éches comme du maïs, des pelés, ça reste quand même assez lourd, c'est pas comme un ver de vase, quoi. Donc je pense qu'un plomb de touche comme ça de 8, pour moi, il sert même à rien en fait. J'allais te poser la question justement, est-ce que tu utilises des plombs de touche, mais Non, non, jamais jamais. de plomb de touche. Ok. J'ai vu quel est ton record? J'ai vu quel est ton record en carpe? À la Canoucou. Ah, en carpodrome, c'est pas forcément des gros poissons, mais le plus gros que j'ai fait c'est en carpodrome, c'est 15 kilos. C'était l'époque où à Méricourt, il y avait encore des poissons comme ça. Là. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu là-bas. Ok. Je sais pas, tu connais Frédéric Duponchel? Non. Quelle est Non. la plus belle galère? C'est vrai qu'on a parlé. Il y en a Il y en a plein en plein, hein, fait. je pense, ouais. À la pêche, bah, on retient les bons moments, tout ça, mais il y a plein de moments ou plein de pêches qui se sont pas bien passées. Parce que bah, la pêche, c'est pas une science exacte. Hein. Tu as le tirage au sort qui est une grande partie des résultats. Donc, en choisir une plutôt qu'une autre, ça me vient pas à Ok, l'esprit là. bah écoute, Comme ça. J'essaye de tu les essayes de les oublier. oublier, ouais, ok. Alors, Là, il y a une vas-y, question. vas-y, Alors, quand vas-y, elles veulent du ouais. maïs, jeter tant de boîtes de maïs, ok, et on pêche dessus avec un seul grain.
En fait, je pense qu'il est étonné de mettre autant de boîtes de maïs, alors que du coup, comment la carpe, elle fait le tri pour manger le grain que tu as à l'hameçon? En fait, quand vraiment elles veulent manger, on serait surpris, mais une coupelle pleine de maïs pour un poisson de 5-6 kilos, ça fait 30 Ah, secondes. c'est aspirateur. Il aspire la coupelle de. Et je parle pas d'une coupelle de sillon, hein, les grosses coupelles. Quand on pêche à Saucourt, qu'elles veulent bouffer du maïs, on met la grosse coupelle de maïs, on place la ligne, on voit le flotteur qui bouge parce qu'il y a un poisson. Si tu rates la touche une fois, deux fois, trois fois, et d'un seul coup, tu n'as plus une touche parce qu'en fait, c'est rincé, quoi. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Quand elles veulent bouffer vraiment du maïs, tu peux mettre une pleine coupelle et elles vont prendre aussi le grain que tu as à l'hameçon parce que c'est des aspirateurs, hein, les gros poissons. Ah, ce sont ces aspirateurs, c'est clair. Okay. Il y a Guillaume qui dit, bah après, combien de capots dans une année en moyenne? Ça t'arrive de faire des capots? Capot, vraiment capot en carpodrome. J'ai dû en faire, mais ça Il y doit a longtemps. à compter sur les Ouais. bonnes mains. À compter sur les bonnes mains. Ça peut Bah, ça peut arriver. arriver, oui, bien sûr. Quand il n'y a pas de poisson, hein, tu peux faire toutes les stratégies, toutes les techniques de pêche que tu veux. Si t'es pas dans la zone où elles sont, bah, tu auras beau faire ce que tu veux. On n'est pas des magiciens, quoi. On essaye de prendre le maximum de fiches quand ils sont devant, mais quand ils sont pas là, ben, t'es comme tout le monde, hein, Ah, tout à fait. tu sors les mouchoirs et puis tu pleures. Ok. Ok. Bah, on est déjà à 1h40 de live. Bon, on a merdoyé un petit peu au début. On a peut-être perdu 10 minutes, donc ça fait 1h30 qu'on parle. Ça va, tu tiens le coup, Fabrice? Ça Ça va? va, ça va, Titi, pas de soucis. J'ai fait ma petite sieste après mon quart du matin, là. Ok, bon, on va terminer sur la dernière partie, qui est le matériel que tu utilises. On va parler des Eurocap 1000 et Eurocap 800. Vas-y, bois un petit coup. Ravitaillement. Je vais changer. Hop, du coup. Voilà. Alors là, vous voyez à l'image, c'est des nouveaux modèles qui vont sortir. Mais bon, de toute façon, c'est juste des améliorations par rapport à ce que tu pêches. Ça fait faire combien? 2 ans que tu pêches avec, hein, si je dis pas de bêtises. 2 ans ou 3 ans même. Donc ça fait Ouais, 3 3 ans. ans qu'elle est sortie l'Euro 4000. Ok. Et donc, t'as comme on disait en off, ensemble, en préparant l'émission, tu as les deux modèles. Tu as la 1000 et la 800. C'est Ouais. ça? Ça, en fait, c'est les remplaçantes des Eurocarp 1000 et Eurocarp 800. Et celle-ci, elle s'appelle Euro XS Carp 1000 et Euro XS Carp 800. Voilà. Donc, c'est les évolutions des cannes qui étaient déjà sur le marché. Donc, ils ont amélioré. Donc, la 800, il y avait au niveau des emmanchements, c'était pas tressé. Donc, en fait, avec l'usure, tu avais un peu de poussière de carbone. Et ça s'usait un peu plus vite. Donc là, ils ont fait le même système que pour. Voilà, c'est ce qu'on voit sur l'image. Ils ont fait le même système que sur l'Eurocarp 1000. Au niveau des emmanchements, du coup, c'est tressé. Donc ça s'use beaucoup moins. Et ils ont aussi amélioré la rigidité de la canne. Donc c'était déjà, pour le tarif de la 800, c'était déjà une belle canne. Mais là, elle est vraiment top. Et puis la 1000, ils l'ont aussi amélioré un petit peu et ils ont changé le brin numéro 5, qui était le brin qui posait le plus de problèmes sur la 1000. Donc ils l'ont raccourci légèrement. Et ils ont aussi sorti des. Donc ça, c'est suite à ce qui. Enfin, les relations téléphoniques que j'avais eues avec Paolo Valeur, qui s'en occupait à l'époque. Il m'avait demandé un petit peu Ton mon ressenti, ressenti. ouais. En fait. Moi, j'avais demandé de faire des kits plus courts. Donc, il y aura toujours les mêmes kits, mais ils ont sorti aussi, en plus des kits qui existaient, des kits aussi qui vont faire 2,40 m. Ok. Donc, du coup, ça permet donc d'avoir, quand tu utilises ces kits-là, ça fait une canne très très Ouais. rigide. Donc, bah, tu auras quand même l'inconvénient que tu ne pourras pas aller à 13 mètres, vu que les kits sont plus courts, mais. On va dire en carpodrome à la belle saison, 13 mètres, c'est Ça très te rare qu'on va, y ouais, tout à pêche. fait, ouais.
Ah, puis de... C'est pas si gênant Et que ça. puis 2m40, ça, tu couvres quand même déjà pas mal de carpodromes, à part les carpodromes un peu profonds, mais déjà tu as un peu plus d'amplitude pour pouvoir pêcher un peu partout, quoi. Parce que là, 2m20, des fois, c'est un Ça, peu court, mais 20 cm, des fois, comme on dit, ça fait la différence, mais là, c'est sûr. Mais là, ça te permet d'avoir une légère. Parce que c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question, mais bon, ben, c'est l'opportunité. Tu utilises beaucoup de bannières au-dessus de ton flotteur à l'extrémité de tension ou tu réduis. une vingtaine de centimes en J'ai moyenne. pas entendu ça. Une Une vingtaine de vingtaine de centimes. cent. Bah, tu vois, d'accord, ok. Voilà. Tu vois, tu étais dans le J'étais dans mille. le mille. Ok, ouais, c'est ça, 20 cm. Ok. Donc, ouais, bah, ça permet vraiment ouais, d'avoir Génial. une bonne amplitude pour ça. Tu touches un peu tous les carpodromes comme ça, hormis les exceptions, bien sûr. Plutôt dans les petits fonds, c'est chiant d'utiliser un kit de 3 mètres. Parce que quand tu as ton poisson, du coup, tu es obligé de reculer le kit super loin derrière et ça traîne dans la boue. Et c'est pas pratique en fait, les longs kits dans les endroits peu profonds. Donc c'est pour ça que en plus des kits de 3 mètres qui existaient, tu auras maintenant des kits de 2 mètres 40. En fait, moi je recommande vraiment d'utiliser ces kits-là, bah, sauf les pêches où il faudra aller à 13 mètres, il faudra garder 2-3 kits longs. Mais sur les pêches où la distance de pêche n'est pas si importante, ça permet d'avoir vraiment des cannes hyper rigides. Ok, on est sur des cannes, donc là, que ce soit la 1000, bon, la 13 mètres, c'est des cannes de 13 mètres, hein, sont vendues en 13 mètres, hein, la 800 ou la 1000. C'est possible de les prendre qu'en 11,50 m. Ok. Il y aura des packs 11,50 m aussi. D'accord. Je sais pas, tu voulais rajouter quelque chose sur les cannes ou... Ah Après, ouais, aussi, oui, si au c'est niveau des les différences, différences entre la 800 et la 1000, pardon, oui, c'est vrai. bah, la 1000, ce sera surtout intéressant pour les gens qui ont tendance à pêcher loin, qui pêchent dans des étangs où il faut aller souvent à 13 mètres. La différence en fait entre les deux cannes, elle se voit vraiment sur la pêche à 13 mètres. Donc elle est plus agréable à pêcher forcément, hein, le tarif n'est pas le même. Après, sur des pêches jusque 11,50, donc c'est quand même des pêches où 80% du temps en été, c'est rare que tu vas dépasser 11,50. La 800, au niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable, quoi. C'est vraiment une super canne. En plus de ça, elle est super solide. Moi, je pêche partout avec. Je pêche même à saut court avec du 24 centièmes. Ça tient la route à fond. Donc, c'est la canne la plus polyvalente. La 800, elle est hyper polyvalente. Et pas très... enfin, au niveau tarif, ça reste hyper Ok. abordable pour une canne de cette qualité-là, Ok. quoi. Tu sais à combien d'élastiques, c'est la question qu'on pose souvent les pêcheurs. Le diamètre d'élastique maxi, tu peux monter sur ces kits? Bah moi, je monte maxi jusqu'à 3 mm,3 mm, c'est... ouais. j'utilise pas plus. Et sur la 800, tu pourrais même aller Ouais, au-dessus. ok. Les kits sont préparés ou tu les prépares toi-même? Faut les percer et tu mets les systèmes de. Ouais, il faut... En fait, c'est au choix des Ouais, c'est pêcheurs. ça. Il y a des gens qui préfèrent mettre un poule à bande. Donc, ils ont préféré pas les percer tout de Ok. suite, mais il y a le renfort qui est prévu pour percer et faire les mettre en stripo, quoi. D'accord. Bah, c'est pas. Ok. Donc, en fait, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la compétition, entre guillemets, ou faire des matchs en carpodrome, tu conseillerais pour commencer la 800. La 6, oui, la 800, pardon. Ouais, la 800, c'est la plus polyvalente. Pour apprendre et Et tout, puis, ça est. si les gens, ils font... si tu fais des erreurs, on va dire, par exemple, des fois, il y a des gens, ils ferrent vraiment très fort, des gros à-coups au ferrage. Bah, les brins intermédiaires, c'est là qu'ils tu vas casser du matos, quoi. Ouais, ça, Donc, elle rattrapera les la bêtises 800, du pêcheur en fait, la 800. Que la va rattraper un peu les bêtises du pêcheur. 1000, ça Voilà. pardonnera pas quoi. C'est de la canne. Bah, c'est des cannes Ouais, c'est des rigides, hein. cannes C'est fait rigides. pour pêcher Ouais. avec des cannes rigides à 13 mètres. Donc, si tu fais comme un bourrin, ben, ça peut casser. Ok. Donc ensuite, alors je regardais, je vais en profiter parce que j'ai peur de l'oublier. Il y a Ludovic qui, on sort un petit peu du périmètre de ce qu'on est en train de voir. Est-ce que ça t'arrive de pêcher à la franco-anglaise? Franco-anglaise. La Ouais. franglaise, ouais, ça m'arrive. Ouais. Quand on n'a pas le choix en compétition, des fois, le poisson il recule.
Et puis des fois, tu prends plus rien sous la canne. Et des fois, bah, surtout comme en ce moment, où la période hivernale, en fait, le poisson il a tendance à se tenir dans le milieu des étangs, super loin du bord. Et bah, là, comme le moulinet est interdit, t'as pas le choix que de mettre une franglaise, Ok, quoi. et Donc, ton voilà. style de montage va être un style un peu comme si on pêchait au pelé waggler ou à l'anglaise, c'est-à-dire avec. Tu vas monter ça comment? Ouais, je mets un waggler. Souvent, j'utilise un waggler 3 ou 4 grammes. D'accord. Donc, bloqué avec des Ouais. stop-flottes. Je mets toujours une bonne petite rangée de plomb-stot en dessous pour équilibrer le flotteur. Et permet après de choisir ce que tu mets sur la ligne. Donc, parfois, je vais avoir que deux plombs sur ma ligne. Parfois, je vais en descendre un peu plus. Ça dépend comment je veux que la ligne elle pêche et ça dépend les éches que j'utilise. Voilà, en fait, c'est polyvalent de laisser une bonne partie de plombée comme ça juste en dessous ton régleur. Ça te permet de faire ce que tu veux pendant la pêche, quoi. D'accord, cool. Bah, j'espère qu'on a répondu à ta question, Ludovic. En tout cas, par avance, je tiens à m'excuser si on en a loupé quelques-unes, parce que c'est vrai que bah, c'est toujours pareil, c'est qu'entre passionnés, on discute et on a tendance, malheureusement, à faire abstraction au forum, alors qu'on fait un live. Le but, c'est aussi de C'est vrai. participer avec vous. Donc, ceux qui ont de la frustration, parce qu'ils ont l'impression qu'on les a un peu oubliés, j'en suis désolé. N'hésitez pas surtout à reposer vos questions en dessous de la vidéo. Et on fera un plaisir, bah, j'enverrai les questions à Fabrice s'il y a besoin, si c'est vraiment technique, mais en tout cas on essaiera d'y répondre. Voilà. La dernière partie qu'on voit là, c'est donc j'ai mis à peu près tout le matériel que tu utilises. Tu avais donc les différents kits. On a parlé tout à l'heure des hameçons. Hein. C'est surtout du 14. Donc à palette, sans ardillon. On a parlé aussi des flotteurs. Le flotteur Ouais. donc du 0,1, 0,2, 0,4. Le nylon aussi, parce que j'ai vu une question, quel nylon tu utilises. Donc là, toi, c'est de la Q-Power, avec différents diamètres, bien Ouais. sûr. Et les élastiques, bah, c'est des modèles qui sont sortis, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, en début d'année. Hein, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, Fabrice. C'est les nouveaux élastiques Ouais. hybrides de chez Preston, que moi, j'ai eu l'occasion d'essayer aussi, que je suis franchement content, parce que pour la qualité et le prix, parce que vraiment, le prix est très abordable. Bah toi, tu en as plus testé que moi parce que tu les as testés tous les week-ends, mais je te laisse. On parlait pas mal parce que j'ai pêché quasiment toute l'année avec ça. Pourtant, depuis tout le temps, j'ai pêché qu'avec des creux. Hein. J'ai toujours utilisé les creux Preston pour pêcher les carpes et là, j'ai commencé à utiliser ça l'année dernière. Et en fait, j'ai pêché quasiment qu'avec ça toute l'année. Que j'ai utilisé les jaunes en 2,4 mm. Les oranges en 2,6 mm et un petit peu là en fin d'année les rouges en 2,2 mm. Ok. Et donc, en fait c'est des élastiques qui vont être entre un creux et un plein. Donc vous allez avoir en fait la puissance pour amener le poisson d'un élastique plein. Vous allez pouvoir avoir un peu plus de puissance. Tu as toujours un petit peu de souplesse malgré que tu tires sur le tripod. Tu as toujours un petit peu de souplesse. Et j'ai l'impression que tu décroches quand même parfois un peu moins de poissons en utilisant ça que d'autres élastiques. Et le gros avantage aussi, ben, comme je te disais tout à l'heure, on a parfois beaucoup de kits. Quand tu vois le prix d'un sachet des hybrides comparé à un creux qui va faire entre 15 et 18 euros, ben, quand tu fais le calcul, enfin, tu as vite fait le calcul d'ailleurs. T'as vite fait le calcul, ouais, c'est clair, parce que là, t'as deux élastiques pour un, quoi. Au niveau qualité, ça n'a rien à envier à un creux, quoi. C'est largement aussi bien. Et moi-même, maintenant, je préfère même utiliser cela que les creux. Ok. Je regardais. Donc, il y a Laurent qui posait une question. Je pense pas que tu puisses répondre, mais si tu as la réponse, c'était le poids de la canne. Le poids de la canne Eurocar puissant. Après, le poids, ça veut tout et rien dire. C'est surtout l'équilibrage de Ouais, la j'ai canne pas qui est le. important. C'est pas.
fait, ils ne les notent pas dans les Ouais. catalogues. En fait, ouais, c'est ça, c'est plus le ressenti que tu as quand tu as la Ouais. canne en main, l'équilibre, tout ça qui C'est fait. sûr que tu vas Et. l'utiliser, je pense, la carpe puissante, tu vas l'utiliser à 11, 11,50 m, ça va être une canne super bien équilibrée. Et puis, si tu vas passer à 13 m, tu vas ressentir automatiquement un peu de poids au bout de ton coude. Ça, puis ça sera Un peu plus, ouais. ça va être un petit peu, t'as du vent, tu vas un peu moins bien pêcher. Alors que la 1000 à 13 mètres, elle va rester plus rigide. C'est toujours un ressenti que tu vas avoir. Mais c'est des cannes, franchement, que moi j'utilise. Ben déjà, les anciennes, j'utilisais depuis 3 ans. Et là, j'ai essayé les nouvelles. Et c'est vraiment des. Vous n'allez pas faire d'erreur en prenant ces cannes-là. C'est des cannes vraiment adaptées pour les pêches qu'on fait, quoi. Ok, bah super. Eh ben on va passer, on arrive à la fin. En tout cas, bah merci beaucoup pour tes explications. Moi, j'ai encore appris plein de trucs ce soir. Et j'espère bien que j'aurai l'occasion une fois de qu'on se rencontre lors d'une compétition ensemble. Et puis ou moins venir te voir pêcher, rester derrière toi, mais au moins regarder comment ton approche parce que ça va être super intéressant. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème, on est disponible. Hein. De toute façon, on est aidé par les marques Preston, Tony Bate et Magasin L'Enseigne aussi. Et on essaye d'être disponible pour un peu tout le monde. Si vous voulez passer voir ou poser des questions sur Messenger, on essaye d'être disponible pour tout le monde. Ce que tu fais prochainement, parce que ton partenaire c'est aussi l'enseigne, je sais qu'il y a des portes ouvertes qui sont prévues là en fin d'année. T'en as une de prévue toi bientôt ou pas? Tout à fait, ouais. Si vous voulez discuter tout ça, des nouvelles cannes, tout ça, ben, on sera chez l'Encens avec mon équipe, on y sera le 4 Voilà, décembre. bah super. Voilà, donc Présenter les nouvelles cannes et puis bah, discuter aussi de pêche ou de tout ce qui vous passe par la tête, il n'y a pas de souci, on sera là, présent et de bonne humeur. voilà, tout à fait. Alors, je vais vous présenter le prochain invité, donc qui sera Sébastien. Donc là, ça sera tout autre sujet. Donc Sébastien, c'est un YouTuber comme moi, c'est un influenceur. Un pêcheur très atypique parce qu'en fait, il a peut-être une casquette, on va dire, de pêcheur de carpe à la batterie, mais en fait, c'est plutôt un pêcheur qui pratique toutes les pêches. Ça va du simple petit gardon aux grosses silures d'un plus d'un mètre. On discutera avec lui, on parlera de sa chaîne et tout. Mais donc, je vous invite à venir la semaine prochaine. De toute façon, vous allez avoir des bandes annonces qui vont apparaître prochainement. Voilà. Voilà. Donc, on compte sur vous. Hop, toc, et on finit tous les deux. Je règle une dernière fois ton centrage de caméra. Ça aurait été un live atypique, mais on a réussi à le faire, c'est le principal. Voilà. Ouais, le principal Le est fait. principal est fait, on a réussi à faire quelque chose de bien et. Ah, super. Voilà. Eh ben écoute, Fabrice, je vais te laisser le mot de la fin, puis je conclurai derrière. Voilà, je te laisse terminer. Voilà, ce que tu veux dire. À toi de jouer. Déjà, merci Titi de m'avoir invité. C'est super sympa. On a passé un bon moment. C'est toujours agréable de discuter de notre passion, donc discuter matériel et des techniques de pêche. C'est ce qu'on fait un peu tous les week-ends avec tout le monde qui nous côtoie. Hein, donc, vous nous voyez au bord de l'eau, il n'y a pas de souci. On est comme tout le monde et on se fera un plaisir de répondre aux questions des gens. Et puis, bah peut-être une prochaine fois, on reviendra faire un live et essayer de parler d'autres Ouais, choses bah et avec de plaisir. nouvelles questions. Ouais. Avec plaisir. Ok. Voilà. Bah super. Bah écoute, Fabrice, encore une fois, je te remercie de ton temps. Parce que bon, là, on voit l'émission, mais il y a aussi toute la préparation à côté. Hein. On a préparé le live et tout ensemble. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup de temps aussi à faire, ces émissions. Pour essayer de faire quelque chose à peu près de quali, on va dire. Parce qu'on reste, bien sûr, bah, je reste un amateur, mais un amateur passionné. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ces explications. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et puis, ce que je remarque quand même, c'est, vous êtes comment? Vous êtes à l'écoute et vous donnez de bons conseils, que ce soit les gens qui font de la compétition tous les week-ends,
Et ça, c'est super enrichissant, ça donne envie aux gens de pêcher. Et puis, si ça peut donner à des personnes, moi, je suis pas compétition, mais si ça peut donner envie à des gens d'essayer, bah, c'est ce que je vous dis, essayez, essayez, et puis vous verrez par vous-même. Et puis, il y aura toujours des gens à l'écoute pour vous aider, quoi. C'est surtout ça qui est important, quoi. Notre but, c'est ça, c'est de donner envie aux gens de venir à la compétition et aussi de faire évoluer tout le monde. Au plus le niveau il va monter, parce qu'on aura donné des conseils, on aura aidé les gens, au plus nous aussi, on va devoir essayer d'élever notre niveau. Donc, c'est le but du truc, c'est que ça profite à tout le monde, en fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette mentalité-là, et puis que bah, on est plutôt apprécié au bord de l'eau parce qu'en général, les gens qui nous abordent et qui nous posent des questions, on essaye d'y répondre du mieux possible, quoi. Ok. Et puis je finirai sur le mot de la fin, c'est sur les gens du forum. Bah, merci surtout d'être passé, puis d'être resté aussi longtemps durant le live, parce qu'on a été à 70 en moyenne, c'est bien. Merci pour Fabrice. Puis bienvenue aux nouveaux, parce que j'ai eu pas mal de nouveaux cette semaine qui se sont abonnés à la chaîne. Donc j'espère que vous resterez sur la chaîne et puis que vous découvrirez cette chaîne avec la pêche, parce que le but aussi c'est de vous partager aussi ma passion d'une autre façon. Moi, c'est la pêche de loisir, mais ça reste de la pêche à la carpe, et voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci Fabrice, et puis on vous dit à bientôt. Ciao! Bonne soirée à tous, au revoir.